douzaine de petites bavières à l'anse déchue. Rue des visitants d'Inde 12. 4 fois 4 douzaines de petites bavières au cheval de bronze. Rue des Foulons. Le cheval de bronze devient un bon client. Oui, c'est malheureusement un mauvais payeur. Quand on apporte la marchandise, c'est toujours beau. Quand on vient avec la facture, il n'y a plus personne à la maison. 36 fonds pour le lapin bleu. Monsieur Belmont, c'est trop tendre vis-à-vis de ses débiteurs. Oh, père est si bon. C'est... Il cesserait prendre le pain hors de la bouche. Certainement. Et il donnera encore du beurre au-dessus du marché. Allô, maison Belmont, j'écoute. Monsieur Belmont, non, il est au magasin pour le moment. Mais mademoiselle Belmont, c'est là. Qui c'est, monsieur Séraphin? Oui. Ah, allô? Bonjour, monsieur Séraphin. Oui, vous voulez parler, père? Ah, mais père est en bas, il jette un œil sur les camionneurs. Oui. Oui, vous avez du neuf? Ah oui. Oui, c'est biscant, hein? Oui, c'est ça. Venez le dire vous-même dans l'heure de midi. Oui. Au revoir, monsieur Séraphin. Alors, rien? Non, le comité est venu ensemble hier soir. Il a choisi monsieur Ebelings comme président d'honneur. Cette nouvelle va vivement contrarier monsieur Belmont. Oh, lui, c'est encore rien, mais elle va jouer sur sa patte. Qui, elle? Mais mère, tiens. Elle ne sait pas le laisser 5 minutes tranquille avec ça. Eh bien, pour quand c'est donc? Quand est-ce que vous serez enfin président d'honneur de la Société mutuelle des employés ouvriers de brasserie? Quand est-ce que vous aurez aussi un peu de prestige? Elle lui fait tout ce qu'il peut, vous savez. Il paye des verres à tout le monde. Il donne la main à tous les ouvriers. Il a promis un drapeau. Ah oui? Oui. Enfin, il fait tout ce qu'il peut. Et alors, mère est tout le temps en train de lui dire qu'il ne sait rien faire. Et c'est pourtant une si bonne femme, vous savez. Madame Belmont, c'est charmante. Mais qui n'a pas ces petits moments de mauvaise humeur? C'est aussi comme ça chez vos parents à Paris. Non, pas tout à fait. Monsieur, votre père n'aime peut-être pas d'être président d'honneur. Non. Et madame, votre mère non plus. Non plus. Mais ce sont quand même de braves gens. Ah, ça, je vous en réponds, mademoiselle Suzanne. Vous les aimez bien? Je les adore. Moi aussi, j'aime bien les miens. Ils sont très gentils. Mon père est quelquefois un peu difficile pour la besogne. Ça, j'en sais quelque chose, oui. Oh, ben, il y a déjà longtemps qu'il ne vous a plus fait des observations, hein, vous? C'est peut-être que je n'en mérite plus. Ça, c'est à voir, hein? Il est fausse, ouais, monsieur Belmont. Qu'est-ce que vous avez encore une fois été livré chez Stouffs? Ben, j'ai encore livré chez Stouffs, le combattu de livrer chez Stouffs. Allez, c'est quand même embêtant, hein? Il y a tous les jours des réclamations. Tous les jours, vous faites une nouvelle gaffe. Pardon, monsieur Belmont. Belmont, je suis Belmont. Vous êtes toujours à faire des patatis et des patatas, à pincer le français et à faire des compliments parisiens. Et en attendant, on néglige la besogne. Je n'aime pas ces garçons. Et enfin, patron, qu'est-ce que j'ai fait? Stouffs, vous avez demandé 100 bouteilles de stout. Et vous lui avez livré 50 bouteilles de gros. Je crois cependant ne pas m'être trompé. Je vais consulter le bulletin de commande. Mais regardez. Un client réclame pas quand c'est pas besoin, n'est-ce pas? Non, fils, croyez-moi, surveillez un peu mieux les affaires. Prenez exemple sur ma fille. Je suis le seul dépositaire pour la Belgique du stout Glasgow. Et de la gueule, mort subite. Tiens, quelque chose, il faut pas jouer avec ça. Et ça n'est pas parce que je suis en correspondance avec votre père et qu'il m'a demandé pour vous une place sur le bureau pour apprendre le commerce belge qu'il faut tout planquer en l'air. Vous avez fait une grosse gaffe. Oh, père, maintenant je me rappelle, c'est moi qui m'ai trompé. Hein? Oui, j'ai cru que le stout était pour Stevens et la groseille pour Stouffs. Hein? Oui. Et il aurait dû voir ça. Mais non, père, c'est le jour où vous l'avez envoyé sur la banque. Oui? Oui. Mais il fait quand même jamais attention. Jour, ça répond une commande. Si ça vous fait rien, j'aime bien l'affaire avec mademoiselle Belmont. Je suis habitué sur elle. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Oh, je n'aime pas ce garçon. Hein? Bien, monsieur Bossings, alors demain à 1 heure de relevé, étiquette verte et bouchon à caoutchouc. Oui, oui. Comme on m'a dit, hein. Oui. Au revoir, mademoiselle Belmont. 24 de l'une et 24 de l'autre. Et la facture acquittée. Oui, hein? Oui. Au revoir, monsieur Bossings. Au revoir, mademoiselle Belmont. Allez, monsieur Albert. Mais qu'est-ce que ça fait? Un client qui travaille avec moi, c'est de la besogne en moins pour vous, n'est-ce pas? Et puis père est embêté à cause de la société. Et mère, ça, il faut pas dire. Elle s'occupe presque pas de vous. Ah, si vous n'étiez pas là, mademoiselle, je vous jure bien qu'il y a longtemps. Je ne suis pas un petit commis qui attend après ses maigres appointements. Mon père m'a envoyé en Belgique chez monsieur Belmont, content que j'y trouverais au moins des égards. Ta-ta-ta-ta-ta, est-ce que j'en ai pas moins des égards pour vous? Eh bien, moi, c'est le principal. Je veux que vous restez ici, jusqu'à la fin de votre année. Mademoiselle? Oui? La soupe, elle est servie. Déjà, mais... Oui, j'arrive.
Allez, monsieur Albert, il est midi passé. Prenez votre chapeau, allez dîner et revenez le plus vite possible. Il y a beaucoup de travail cet après-midi. Je n'aurai même pas le temps de prendre ma leçon de piano. Vous avez été à la chaussetterie? Non, j'ai pas été à la chaussetterie. Bon, alors vous n'avez pas de nouvelles? Je sais pas, j'attends des nouvelles. Eh bien, vous devriez aller en chercher, mais vous restez là comme une moule. Et puis, je m'en fous. On sait même pas manger tranquille ici. Père, laissez-le seulement aller. Allez, père, venez à table, c'est bête. Ce qui est bête, c'est qu'on peut pas manger à son aise ici. On doit toujours discuter, crier. Et quand on crie, on oublie de mâcher, on avale des gros morceaux. Ça m'en fait pour l'estomac. Mais enfin, elle vous a rien dit, père. Naturellement, vous tirez avec elle. Vous êtes toujours tous les deux contre moi. Oh, c'est pas juste ce que vous dites, père. D'abord, je n'ai rien dit. Ouais. Et puis, mère aussi dit que je tire avec vous. C'est bien la preuve que je tire avec personne. Je suis assez triste de toutes ces ruses. Ben, vous croyez que ça m'amuse? Je sais que je suis pas président d'honneur. Eh ben, je suis pas président d'honneur. Voilà. Elle n'a qu'à tâcher de se faire nommer. Elle. Venez, père, que... Je suis très bien ici. Mère a promis qu'elle parlerait plus de ça. Elle a promis, je connais ça. Le jour de notre mariage, elle a aussi promis. Obéissance, elle a promis. Oui, mais enfin, cette fois-ci, c'est sérieux, elle dira plus un mot. Venez, père, que... Je me jurais que c'est fini, hein? Oui. Alors. Oui ou non? Est-ce que vous venez à table, président? Oh, et vous filez, hein, sinon... Oui, mais ça, je voudrais voir. Oui, j'ai peur. Oui, c'est alors que ce serait fini entre nous. Vous allez me donner envie. Père, mère, mais qu'est-ce que la servante va dire? Oh, elle doit être bien étonnée. Depuis 2 ans que ça dure. En tout cas, ça peut pas rester continuer et durer, hein? Demain, j'irai chez l'avocat. Oui, oui, ouais. Chez l'avocat. Eh bien, il dira ce qu'il pense de vous. Oh. En tout cas, si vous refusez de venir à table, c'est plus besoin de faire à dîner. Demain, Suzanne et moi, on mangera des pistolets avec du jambon. Oh, vous allez me faire pleurer. Je veux bien. J'ai de l'argent. Oui. J'irai au restaurant. Et vous savez, Philippe, des repas fins avec toutes sortes de choses. Hein. Potage Saint-Germain. Macaroni à la napolitaine, choucroute de Strasbourg et pain perdu. Je vous en rapporterai, Suzanne. Oui, oui, ça je sais. Vous pouvez mal de vous laisser manquer de quelque chose. Tiens. Mais nous aussi, on saura tirer son plan. Oui. Alors, vous venez, oui ou non? Non! Bon, allez, Suzanne, on va manger. Hein? Salut! Monsieur le président d'honneur. Oh, bonjour, monsieur Bellemans. Ah, c'est vous, cher Raffin. Tiens, vous dînez ici? Oui, oui, il fait un peu trop chaud dans la salle à manger. Alors, vous avez du neuf? De la société? Oui. Et ça sont des bonnes nouvelles? Bon, c'est comme on veut. Ce sont de bonnes nouvelles pour Abelins et de mauvaises nouvelles pour vous. Quoi, je suis pas nommé? Non. Ben, vous avez pourtant défendu ma candidature. Ça est sûr. Eh bien? Ils m'ont demandé vos titres. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Je n'ai rien répondu. Mais pourquoi vous n'avez rien répondu? Parce que je savais pas quoi répondre. Donc, alors je n'ai pas de titre. Vous n'avez pas dit que je suis seul dépositaire pour la Belgique du Stade Glasgow et de la Grèce mort subite? Je l'ai dit. Mais Ebeling, c'est dépositaire de 2 marques de scotch. Ben, vous n'avez pas dit que j'ai 3 employés et 1 comptable? Je l'ai dit. Mais Ebeling a aussi une dactylographe. Et vous n'avez pas dit que j'ai 10 camions à 2 chevaux? Je l'ai dit. Mais Ebeling, ça dit camion automobile. Ben, vous n'avez pas dit que je suis décoré d'Isabelle la catholique? Mais je l'ai dit. Mais Ebeling, ça le Christ du Portugal. Et ça, c'est rouge. Et puis j'ai de la popularité à la société. Ça, c'est vrai, vous êtes populaire. On a voté et ça allait très bien. Oui. On entendait tout le temps
Ebelings, une voix. Bellemann, cinq voix. Ebelings, trois voix. Bellemann, six voix. Mais alors est arrivé un paquet de bulletins pour Ebelings. C'était comme aux élections législatives. Wolvertem, libéraux, 53 voix. Catholique, clash, 5379 voix. C'est Wolvertem qui vous a mis dedans, monsieur Bellemans. Je pense que ça va faire de la peine à madame Bellemans. Bah, ça est sûr, ça. Enfin, ça est une si brave femme. Elle sait si facilement se faire une raison. Ça, ça vaut mieux. Mais je crois quand même que vous avez pas bien conduit ma campagne, vous savez. Je vous assure que je me suis bien dévoué. Depuis 15 jours, tous les soirs, je suis sous. Vous n'avez fait que votre devoir, hein, puisque vous devez être mon beau-fils. Tiens donc, mais je ne vois pas Suzanne avec. Elle est dans la salle à manger. Avec madame Bellemann. Nature. Le France Quillon n'est pas là. Monsieur Albert, il y a longtemps qu'il mange plus ici. J'ai eu un jour des mots avec ma femme devant lui. Ça l'a embêté. Et il a demandé de plus venir. Un faiseur d'embarras. Oui. Je suis bien content qu'il mange plus ici. Ah. Je trouve qu'il est déjà assez autour de Suzanneke comme ça. Comment autour de Suzanneke? Oui, ici, dans le bureau. Ben, ils travaillent ensemble. Je peux quand même pas mettre ce garçon sur le trottoir, hein? Oui, ça je sais bien. Mais ça m'embête. Je suis un peu jaloux. Bon, ben, vous... Vous devez bien comprendre, vous avez aussi été jeune, ah, hein? Ouais. Dans le temps... Vous êtes bête. Il faut pas avoir peur de ce gamin. Je dis ce que je dis, je sais ce que je sais et je vois ce que je vois. Oh, je le disais bien, c'est Séraphin. Bonjour, Séraphin. Bonjour, madame Bellemans. Vous allez bien? Oui. Vous avez dîné? Oui. Vous avez des nouvelles de la chanteuse? Oui. Ça n'a pas été... Oh, quel dommage. Mais enfin, ça sera pour une autre fois, hein. Bellemans, ce philosophe, il sait si facilement se faire une raison. Hein, Perk? Allez, ne restez pas ici, Séraphin. Venez. Et une fille? Oui, mais je n'ai qu'une minute, hein. Oui, mais ça n'est rien, ça n'est rien. Perk, venez prendre votre pousse café. Pousse-café? Oui. Pousse-café? Allez alors, je vais aller prendre mon pousse-café. Beau temps, hein? Hier, il a encore plu. Espérons que ça sera resté continué durer. Quoi? La pluie? Mais non! Le beau temps. Gerbert. Je voudrais vous dire quelque chose. À moi, monsieur? Oui, à vous. Je vous écoute. Je n'irai pas par cinq chemins. Car vous savez, nous autres à Bruxelles, on n'est peut-être pas de beaux phraseurs, mais on dit tout droit dehors ce qu'on pense. Eh bien, voilà. Je vous connais pas depuis très longtemps. Dire que j'ai beaucoup de sympathie pour vous, ça, je mentirais. Non, je sais que vous ne m'avez jamais rien fait, mais enfin, c'est des choses qu'on ne sait pas expliquer. Demandez à un chat pourquoi il n'aime pas un chien, et à un chien pourquoi il n'aime pas un chat, il ne saurait pas vous répondre, non? N'empêche qu'un chat peut estimer un chien, et un chien peut estimer un chat. Cela me paraît puissamment raisonné, oui. Oui. Jean-Bert, j'ai un service à vous demander. Allez-y.
Oui, mais pour ça, il faut que je vous fasse le confident d'une affaire confidentielle et très grave. C'est à propos de mon mariage. Alors, je vous prie de vous en tenir là. Je ne veux d'aucune manière être mêlé à votre mariage. Votre petit préambule où vous vous êtes montré hérissé de toutes vos mauvaises intentions à mon égard me met tout à fait à l'aise pour vous dire que moi non plus, je ne me sens nullement attiré vers vous. Par conséquent, cherchez quelqu'un de vos amis qui puisse me remplacer en cette occurrence. Mais ça est impossible! Sans ça? Comment? Mais oui, ça est impossible! Car mes amis sont de braves garçons, mais ils ne sauraient jamais tenir leur langue. Tandis que vous, je vous aime pas, mais je sens que vous êtes un honnête homme et capable de tenir un secret. Ce qui vous met tout à fait à l'aise pour commettre un abus de votre confiance. Ou si vous voulez. Oui, mais je ne me laisserai pas faire. Si, parce que c'est pour une bonne action. C'est assez inattendu. Vous avez une façon très pittoresque de demander un service. Monsieur Albert, je vais me marier. J'ai beaucoup de goût pour Mademoiselle Suzanne. Et puis elle a une jolie dot. Oui. Oui. Mais avant que je la marie, je dois régulariser une situation. J'ai une bonne amie. Mais mon Dieu, où ouais, mais j'ai aussi un enfant avec ma bonne amie. Mon Dieu. Oui. Et comme je ne suis pas de ceux qui, quand ils glissent sur quelque chose, ne se retournent pas, je ne voudrais pas que ce petit, qui n'a rien fait pour ça, tombe dans la misère. Alors j'ai pensé que vous, monsieur Albert, vous pourriez aller trouver Anna. Anna? Oui, c'est Anna. Et lui proposer un petit arrangement. Et comme vous parlez bien, n'est-ce pas? Mais mon Dieu, je vous oui, parle. Oui, oui, oh, ça, vous parlez bien. Vous pourriez la consoler. Et comme ça, il n'y aurait pas de scandale. Je serais bien tranquille. Et personne ne pourrait dire que Séraphin Meux, le ministre, il n'a pas fait tout son devoir. C'est tout? Oui, c'est tout. Monsieur Séraphin Meulemeester, je ne me charge pas de cette mission. Comment? Non. Oh, pas à cause de vous, pas à cause de Mademoiselle Anna. Non pas que je me permette d'apprécier votre conduite, de vous blâmer ou de vous approuver. Mais parce que Mademoiselle Suzanne est la seule personne ici pour laquelle j'ai quelque sympathie. Elle est la seule qui m'ait accueilli aimablement, sans ironie, et sans ce mépris que vous-même vous affectez, même lorsque vous me demandez un service. Je crains donc qu'un mariage entre elle et vous, consommé sous d'aussi heureux auspices, ne soit pas un bonheur qu'elle mérite. Je ne désire donc en rien, aussi faiblement que ce soit, le faciliter pour ma part. Oui, mais vous n'allez pas lui dire, n'est-ce pas? Rassurez-vous, monsieur. Je suis de cette sorte de chat qu'un chien comme vous peut ne pas aimer, mais qu'il doit estimer. Je ne ferai rien pour vous, mais je ne me servirai contre vous d'aucune arme déloyale. J'ai été dans cette affaire, malgré moi, votre confident, mais je ne respecterai pas moins votre secret. Vous dites ça? Je le dis et je le ferai. Alors, monsieur Albert a un œil sur mademoiselle Beulemans. Je m'en doutais. Mais soyez tranquille, ça n'est pas du spec pour votre bec. Vous aurez beau prendre votre air d'en avoir deux, c'est moi qui marierai mademoiselle Suzanne Beulemans. Et puisque vous voulez pas arranger la situation d'Anna et de son moutard, ils n'auront qu'à tirer leur plan. Moi, j'aurais fait tout ce que je devais. Seulement, rappelez-vous, monsieur Albert Delpierre, de Paris, que toutes les belles phrases que vous pourrez dire à Suzanne, que ça ne servira de rien. Car ça n'est pas les oiseaux qui sont les plus beaux plumes qui chantent le meilleur. Vous m'avez bien compris? J'ai Suzanne Queux, je la garde. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. Alors je fais attention. Imbécile, hein? Ah, vous êtes encore là, Séraphin? Oui, oui, je conseille monsieur. Au revoir, Suzanne Queux. Je suis contente que vous êtes de bons amis. Qu'est-ce que vous disiez? Oh, des choses banales, nous parlions de la pluie et du beau temps. Oui, oui, je crois qu'il va dracher. Vous voulez un parapluie? Non, non, le parapluie, c'est toujours la même chose. Je pars avec et quand je reviens, je l'ai plus. Ou si j'en ai un, ça est un parapluie contraire. Mais si vous le perdez, ça fait rien, je vous donnerai un vieux. Oui, et puis c'est tout de même presque de la même bourse, n'est-ce pas? La même bourse? Mais oui, puisque je dois vous marier. Que faut-il répondre à cette lettre? On ne vous donnait pas la peine. Et que nous devons vivre ensemble. Mais enfin, ce monsieur Bataille est tout de même un drôle. Hier, il dit que c'est bon, aujourd'hui, il dit que ce n'est plus bon. Et que nous devons vivre ensemble. Ben, je vais répondre que nous faisons pour un bien et que s'il n'est pas content, il n'a qu'à le dire. Et que nous devons vivre ensemble. Alors ça revient quand même pas sur un parapluie. Oui, oui. Oui, oui. Et vous n'écoutez pas ce que je dis.
Qui, moi? Oui, vous, quand monsieur Albert est là avec ses manières de parisien, moi je suis plus rien. Oh oui, mais non, hein, Séraphin, qu'est-ce que ça signifie? Non, j'avais raison de le dire tout à l'heure, il est toujours à tourner autour de vous, et vous, vous aimez ça. Oh, mais je comprends maintenant de quoi vous avez causé tous les deux. Venez un peu par ici, monsieur Albert. Venez un peu par ici, Séraphin. Des cancans, ça je ne veux pas. Je dois vous dire, Séraphin, que c'est assez honteux ce que vous faites là. Mais enfin, tous les hommes sont comme ça. Seulement avec moi, ça doit être tout droit dehors. Monsieur Albert, je crois que vous êtes un bon garçon. Vous n'avez jamais rien dit de méchant, vous n'avez jamais rien fait de malhonnête. Non, je crois même que si vous étiez un tripoteur, comme il y en a beaucoup, vous auriez déjà mis votre main sur mon bras pour me pincer, ou vos pieds sur mes pieds en dessous du pupitre. En tout cas, si vous avez de mauvaises intentions, vous n'avez qu'à les inscrire sur une ardoise et les essuyer avec une locarloctée. Je suis la fiancée de Séraphin. Ah. Et tant que je serai la fiancée de Séraphin, les autres pourront danser. Mais... Vous, Séraphin, je vous ai jamais dit que je vous aime. Mais... Peut-être je vous aime. Ah. Ouais, mais peut-être je vous aime pas. Ah. Ça, moi, je le sais. Mais je suis votre fiancée, ça, je veux qu'on respecte. Mais ce que je ne veux pas, c'est de la jalousie et des reproches. Je ne suis pas une de la sorte, vous savez. Encore une fois, des manières de ce genre, et vous pouvez prendre vos clics et vos claques. Voilà. C'est compris? Alors maintenant, vous pouvez continuer. Je dois aller sur mon bureau. Au revoir, Suzanne Agu. Monsieur. En voilà des manières. C'est lui. Il est déjà plus d'une heure et demie. Oui. Il y a beaucoup de travail cet après-midi. Beaucoup. Ah bien, vous ne vous asseyez pas. Père pourra arriver. Tant mieux, je désire voir Monsieur Belmans. Il n'a pourtant pas l'habitude de vous dire des choses agréables. Cette fois, c'est moi qui parlerai. Mademoiselle Suzanne, il faut que je m'éloigne. Monsieur Albert, ça va pas recommencer. Et là, ça recommence trop souvent. Vous avez entendu Monsieur Séraphin. Séraphin. Il a raison, ce garçon, s'il est jaloux. Mais vous-même, sans vous en douter, vous m'avez dit des choses terribles. Terribles. Mais non, j'ai dit des choses naturelles. Je n'ai peut-être pas très bien causé, mais on cause comme on peut. Hein. Je suis pas une Parisienne, moi. Vous m'avez dit des choses que je ne méritais pas. Vous avez prononcé des mots dont le souvenir viendrait gâter le délicieux plaisir de nos tête-à-tête. Je me dirais sans cesse, elle retire le pied pour que je n'y pose pas le mien. Elle se méfie de moi. C'était pour rire. Laissez-moi partir, mademoiselle. Vous n'ignorez pas que depuis longtemps, je suis hanté par l'idée de rentrer à Paris. Il y a Madame Belmans, il y a Monsieur Belmans, il y a Monsieur Séraphin. Séraphin? Mais je ne veux pas, monsieur. Non, croyez-moi, laissez-moi partir. Cette hostilité finit par m'être à ce point pénible que je ne puis plus la supporter. Et je ne la rencontre pas seulement chez votre père, chez votre mère, chez Monsieur Séraphin, mais même chez des gens à l'indifférence desquels j'espérais pouvoir prétendre. Plus je m'efforce d'attirer vers moi les sympathies, plus je vois que je suis irrémédiablement antipathique. Mais non. Mais si. Tenez, un exemple. Tout à l'heure, je rencontre dans l'escalier Isabelle, votre bonne. Elle était chargée de deux seaux d'eau remplis jusqu'au bord. À chaque pas qu'elle faisait, l'eau menaçait de déborder. Pour rendre sa corvée moins pénible, je pris un des seaux et le montai jusqu'au palier. Et alors? Elle me remercia. Et puis, elle eut un indéfinissable sourire de mépris que je perçus au vol. Isabelle vous a brisé le cœur. Oh non, Isabelle ne m'a pas brisé le cœur. Mais je surpris chez cette brute cet aspect dédaigneux avec lequel on accueille ici mes meilleures intentions. Mais je vous assure que vous vous trompez. Ah. Allez, qu'est-ce que vous avez répondu à cette bonne quand elle vous a remercié? Ah ben, je ne sais pas, moi. Je lui ai dit de rien, c'est la moindre des choses. Ah, voilà. En parlant à Isabelle, il fallait dire « Or que laissez seulement, ce n'est rien de porter un seillot ». Qu'est-ce que vous dites? Ah ben, je dis, hors que l'essai seulement, ce n'est rien de porter un seillot. Mais oui, vous parlez à ces gens un langage qu'ils ne comprennent pas. Alors ils s'imaginent que vous êtes un poseur. Parlez comme nous. Mais comme vous, mon Dieu, je voudrais bien. Mais comme eux, il me semble que ça ne passerait pas. Merci. Allez, tenez, comment me diriez-vous, si vous étiez Monsieur Séraphin, que je vous plais? Ah bien, mon Dieu, ça... Allez. Eh bien, je vous dirais... Ah, monsieur, vous croyez que c'est facile comme ça, à l'improviste? Eh bien, supposez que vous me fassiez l'aveu de votre tendresse pour une autre. Enfin, pour une autre jeune fille que vous auriez laissée à Paris et que vous aimeriez. Ah, mais je n'ai laissé à Paris aucune jeune fille que j'aime. Ah! Eh bien, supposez. Eh bien, je vous dirais, mademoiselle Suzanne, j'ai un penchant pour vous. Enfin, je veux dire, j'ai un penchant pour la jeune fille que je n'ai pas laissée à Paris. Mais non, vous devriez dire, mademoiselle Suzanne, j'ai une bunch pour mademoiselle une telle. Une quoi? Une bunch. Une bunch? Oui, allez, répétez. Mademoiselle Suzanne. Mademoiselle Suzanne. J'ai une bunch. J'ai une. Une bunch. J'ai une bunch pour vous.
Ah, c'est extraordinaire. Quand j'entends employer par d'autres ces tournures de phrases spéciales, ça me choque comme une incongruité. Mais quand vous les dites, ça me paraît gentil. Étrange, mais gentil. Ça a la saveur d'un de ces fruits tropicaux qui étonne d'abord, mais à laquelle on se fait si bien qu'on veut y goûter à nouveau. C'est curieux, n'est-ce pas? Ouais, c'est curieux. Très curieux, oui. Laissez-moi partir, mademoiselle, ça vaut mieux. Vous songerez de temps en temps à votre ami. Moi, je n'oublierai jamais ma chère petite collègue de quelques mois. Et vous? Moi non plus. Alors, je vais dire à Monsieur Veulemans que mon père, voulant donner plus d'extension à ses affaires, me rappelle à Paris. Car il vaut mieux, n'est-ce pas, ne froisser personne. Certainement, oui. Évidemment. Mais comme ça, vous pourrez prendre tout votre temps et ne pas laisser les écritures en arrière. Oui, trois ou quatre. Moi? Non, jour. C'est vite? Oui. Mais enfin, Monsieur Albert, vous n'aurez jamais le temps de mettre le grand livre au courant. Oh, si, si. Il ne reste plus que le comte de Vendezande, Boxtael, Verstraat et Goffin. Pour le reste, tout est en ordre. Monsieur Albert, vous oubliez les séances du 15? Celle-là, non, jamais. Je ne le ferai pas. Ne vous opposez pas à mon départ. Mais je ne veux pas, Monsieur Albert. Ne vous opposez pas à mon départ. Il ne comptera pas pour vous. Vous continuerez à rire, à chanter, à être heureuse. Heureuse? Mais je ne suis pas heureuse, Monsieur Albert. Oh, quand j'étais petite, oui. Père et mère s'entendaient. Ah. Quand ils se disputaient, ça m'était bien égal. J'étais trop petite pour comprendre. Maintenant, je comprends, n'est-ce pas? Oh, ça me fait si mal. Je suis tout le temps à essayer d'éviter les sujets de bisbrouille entre eux. Je chante toute la journée pour les garder de bonne humeur. Je suis douce avec eux, avec tout le monde, pour qu'eux aussi deviennent doux. Vous savez, ça arrive quelquefois. Quand quelqu'un parle tout bas, personne n'ose crier. Eh bien, c'est la même chose. J'essaye par tous les moyens d'éviter les sujets de contrariété à père et à mère. Un jour qu'ils étaient d'accord... Ah, encore? Oui. Ils m'ont dit, Suzanne, que Monsieur Séraphin Meulemeester a demandé votre main. Nous croyons que c'est un bon parti. J'ai répondu moi aussi. Et pourtant, je n'aime pas Monsieur Meulemeester. Et alors? Un autre jour qu'ils étaient d'accord, ils ont mis un canari dans la salle à manger. Et ils ont dit c'est plus gai. J'ai répondu, oui, c'est plus gai. Ce n'était pas plus gai, Monsieur Albert. Parce que je pensais que j'étais comme ce petit oiseau, tout seul dans sa cage, avec tout le monde autour de lui, et qui chante toute la journée de toutes ses forces et personne ne l'écoute. Il chante et ça sert de rien. Pauvre petite. Depuis votre arrivée, j'étais un peu consolée. L'oiseau avait un camarade qui, je l'espérais, aurait chanté avec lui. Quand il aurait compris qu'il faisait une bonne action en mettant de la joie dans la maison. Vous avez compté sur moi, mais je suis un canari dont ils n'aiment pas la voix. Mais ils s'y habitueront, et puis vous ferez un effort, vous essayerez d'imiter leur chant à eux pour conquérir leur confiance, leur sympathie. Allez rester, Monsieur Albert. Aidez-moi à mettre de la bonne entente entre père et mère. Je ferai ce que vous voudrez, je resterai. Quand père vous fera une observation, vous le laisserez dire? Oui. Il est si bon au fond. Quand mère arrivera avec une nouvelle robe, vous la trouverez belle? Oui. Vous ferez le plus possible de la maison pour arriver au but? Oui. Alors il faut reprendre votre place à table avec nous. Je la reprendrai. Oh, c'est gentil. Donnez-moi la main. Venez travailler. 300 bouteilles de gueuse pour 22 ans. Monsieur Albert, vous avez mal surveillé l'expédition du stock pour le vin. La bière, elle est tournée. Vous avez encore laissé partir un lot de bouteilles mal nettoyées. Excusez-moi, Monsieur Veulemans, j'ai pourtant fait attention. Mais il faut connaître son métier. C'est pour l'apprendre que je suis venu me confier à votre grande expérience, Monsieur Veulemans. Oh, oui, ça c'est vrai, père a une grande expérience. Oui, j'ai une grande expérience, oui. C'est-à-dire que je ne connais pas, parmi toutes les relations de notre maison de Paris, un homme dont la compétence soit aussi complète et aussi étendue au point de vue de la brasserie. Oui, on m'a déjà dit ça. Et c'est vrai du reste. Mais non, c'est un tel garçon qui a mal exécuté vos ordres. Je vais une fois voir, parce que ça, je veux pas qu'on vous écoute pas. Il te fonce! Il te fonce! Suzanne! Suzanne! J'ai reçu mon nouveau chapeau! Voyez une fois. Est-ce qu'il me
me va bien. Ah, il est magnifique. Ah. C'est une pure merveille, Madame Belmans. Ah oui, vous trouvez? Et comme il vous va. Vous trouvez? Si je trouve, il vient de Paris. Non, il vient de chez Maman Dust. Hein? On peut se montrer avec ça, hein? Mais je vous crois. Ah, garçon, c'est l'ouvrier qui s'est trompé. Il a pris un lot de vieilles bouteilles. Ce n'est pas de votre faute. Je me disais aussi, d'ailleurs, avec mon expérience. Père, vous avez regardé le nouveau chapeau de Merck? Tiens, oui. Moi, je suis bien contente, tenez, de ne pas être présidente d'honneur. Oh. Pour leur montrer qu'on n'a pas besoin de ça pour faire de l'effet. Ah, oui. N'est-ce pas, Beulemans? Ça est sûr, ça. Allez, embrassez votre femme. Ah, oui, venez. Patate. Comment est-ce qu'on vole en dessous, donc, hein? Vous voyez comme c'est facile. Et comme c'est gai. Oh, oui. Eh ben, il y a toutes sortes de bazar, là-dessus, hein. Il y a du sucre dans le sucrier? Oui, madame. Seulement le couvercle était en bas et les mouches ont été dessus. Eh bien, frottez-le avec une serviette. Est-ce que je mettrai le service avec les fleurs ou celui à bord doré? Ça, c'est pas dehors. Bien gratter avec un couteau. Non, celui à bord doré. Si on le casse, on ne sait pas le remplacer. Qu'est-ce qu'il y a, Hortense? Ah oui, il faut mettre un nouveau manchon sur le gaz. Encore un? Mais il est seulement dessus depuis 15 jours. 15 jours et un petit peu. Isabelle, donnez une fois le nouveau manchon. Moi, j'avais mis le temps de lampe à pétrole, alors je ne devais pas me mêler avec ça. Oui, mais ça, c'est un travail d'homme, hein? Vous ne voudriez tout de même pas faire venir un ouvrier pour ça? Ah oui, c'est déjà bon. Dites, vous allez mettre le cramique sur la table? C'est ça, vous. Un cramique et les trains du boulanger. Un cramique qu'on a eu pour rien. Pour rien? Un cramique de 50 centimes. Et vous avez donné 2 francs, garçon. On ne peut pas avoir l'air de crotteux, hein. Alors, vous ne le mettez pas sur la table? Non, l'étrenne du boulanger, ça c'est pour nous, c'est pour manger en famille. Mais j'allais me faire pleurer. Mais Isabelle, finissez! Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je gratte les crottes de mouche. Ah oui, il y a des crottes de mouche sur le sucre, alors elle les gratte. Isabelle, finissez! Vous allez me rendre merveille! Hortense, là, le bouton de mon col a pété. Vous l'aurez encore une fois mal attaché. Mais hein? Je vais être étranglé! Eh bien, ôtez votre col! Mais je ne sais pas à cause du manchon! Ouais. Attention, ne le cassez pas, hein! Allez, venez, m'aider! Aïe, 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 vous êtes désagréable, hein! Vous, ouais. Vous êtes un embêtant, hein! C'est vous qui êtes une embêtante! Oh. Si vous étiez un peu plus soigneux sur le linge, ça n'arriverait pas! Bien, je parie que c'est encore la boutonnière qui a déchiré. Mais non, c'est simplement défait. Vous devenez tellement gras, vous faites tout péter. Ouais. Aïe, mais vous prenez la viande avec. Mais non, c'est votre pomme d'Adam. Hey, pomme d'Adam, pomme d'Adam. Vous êtes aussi adroit de vos mains qu'un cochon de cercueil. Tiens, ben faites-le vous-même, alors. Pourtant, je vous préviens que je laisse tomber le manchon, hein. Aïe, 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 vous êtes désagréable, hein. Regardez-le. Là, le président d'honneur. Hortense, vous n'allez pas recommencer, hein? Surtout un jour comme aujourd'hui. C'est justement un jour comme aujourd'hui que vous devriez pouvoir dire, à l'occasion des fiançailles de votre fille avec Séraphin Meulemestre, que vous avez l'honneur d'être président d'honneur. Oui, vous voulez me faire attraper une attaque d'apoplexie? C'est ça que vous cherchez, sans doute? Oui, je veux votre mort, n'est-ce pas? Mais tiens, je suis assuré sur la vie. Oh, ça c'est dégoûtant ce que vous dites là. Je dis ce que je pense. Eh bien, vous pouvez vous vanter de ce que vous pensez. Allez, allez, hop. Et attention, manchon, voilà. Là, 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 ça...
ça y est. Mais oui, il est cassé. Mais ça fait rien, père, il y en a encore dans le bureau. Ben, quoi ça peut servir, il sait même pas le mettre. Mais ça fait rien, mère, moi je sais le placer. Allez, je vais le chercher. Oui, c'est dans le pupitre à gauche, père. Merci, Suzanne. Allez, passez devant, grande de mouche. Vous voyez, Suzanne, si vous n'étiez pas là, on serait sans lumière. On aurait été vite chercher un autre manchon. Ben, votre père l'aura encore une fois cassé. Oui, je sais bien pourquoi il le casse toujours. Ben, parce qu'il est maladroit. Non, mère, pas pour ça. Écoutez, mère, aujourd'hui c'est tout de même un jour où je vais devenir une grande fille puisque je vais être fiancée officiellement. Alors je peux dire quelque chose? Oui. Eh bien, je dis que père est un brave homme. Et vous le taquinez tout le temps. Ben, vous savez bien que c'est un brave homme. Oh, il a quelquefois des idées, je sais bien, mais il faut passer là-dessus. Vous vivez ensemble et vous vous aimez beaucoup. Bon. Mais oui, quand il est seulement malade, vous êtes comme folle. Vous courez derrière le docteur pour lui demander ce qu'il a. S'il ne vous dit pas que ce n'est rien, vous attrapez la fièvre, vous pleurez, vous voulez acheter toutes sortes de choses pour qu'il mange. Vous lui mettez des couvertures pour l'étouffer et vous lui donnez 3 cuillères par heure au lieu d'une pour le guérir plus vite. Bah oui. Mais oui, vous l'aimez si fort et vous le faites tout le temps bisquer. Ça n'est pas gentil, hein, Merck. C'est vrai, vous l'énervez, alors il a un manchon dans sa main. Et il le laisse tomber. Bah oui, Suzanne, mais il me fait quelquefois enrager, hein. Mais je sais bien, mère. Mais vous croyez que Séraphin, quand il sera mon mari, n'essaiera pas aussi de me faire enrager? Mais je ne dirai rien. Je ne discuterai pas. Je lui donnerai raison. Ça vaut mieux. Oui, ça vaut mieux. Allez, faites-le aussi, mère. Comme ça, je serai contente en mariant Séraphin. Sinon, je serai triste de vous laisser comme ça, seuls tous les deux. Je le ferai, Suzanneke. Oui, attention, oui. Oui. Bien, voilà le manchon. Vous le mettez, Suzanneke? Oui, Ferdinand, est-ce que votre col tient maintenant? Oui, oui. Si vous voulez, je coudrai la boutonnière. Hein, je vais chercher du fil. Ça n'est pas nécessaire. Monsieur, monsieur. Mais non, mais non. La porte? Oui, c'est déjà bon. Vous voyez, père, comme mes raisons. Oui, je suis à me demander ce qu'il y a. Elle a sans doute encore une fois besoin de quelque chose. Mais non, elle est toujours comme ça. Quoi? Mais oui, elle est toujours comme ça, mais vous ne le voyez pas. Oui, sinon, sans doute. Mais non, père, que vous ne le voyez pas. Allez, allez. Oh, elle a quelquefois des idées, je sais bien, mais il faut passer là-dessus. Oui. Oh, le suis bonne, père. Oui. Vous l'avez mariée parce que vous l'aimiez. Oui. Ça n'a pas changé, hein? Non. Oh, évidemment, elle n'est plus aussi jeune ni aussi jolie que le jour de votre mariage, naturellement, mais vous aussi, vous avez changé. Oui. Oh, vous êtes encore très bien, vous savez. Tout le monde dit que vous ne paraissez pas votre âge. Et quand vous sortez avec moi, mes anciennes camarades de classe vous prennent pour mon amoureux. Oh, allez-vous. Bon, enfin, vous avez changé, hein. Mais votre mère, vous savez, est aussi restée très jeune, hein. Oui. Elle a des bras comme une jeune fille. Et tenez, quand on est allé au bal 18e siècle de la Grande Harmonie, là, hein, avec son costume de Madame de Sévigné, hein, et ses cheveux poudrés, et son col de dentelle, et sa petite mouche sur le côté, hein, eh bien, je vous assure qu'elle avait tout à fait l'air d'un de ces tableaux-là qu'on a vus quand on est allé chez votre mon oncle, là, de Saint-Quentin. Or, oui, à la tour. Oui, c'était juste un la tour craché, oui. Et tenez, ce soir-là de la Grande Harmonie, vous avez pas remarqué comme cet officier d'ordonnance du prince Albert l'a regardé? Non. La moutarde commençait à me monter au nez. Je suis pas jaloux et j'ai confiance dans votre mère, mais je veux quand même pas qu'on me prenne pour un imbécile, hein. J'ai une fois regardé ce capitaine droit dans le blanc de ses yeux et j'allais lui demander ce qu'il en fait sur Hortense quand il est venu près de moi parce qu'il voyait bien que j'étais pas content. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien du tout, il était embêté. Il m'a dit, est-ce que votre col de chevaux léger ne vous serre pas un peu, monsieur? Car vous êtes si rouge dans votre figure. Et qu'est-ce que vous avez fait, alors? C'est possible, monsieur. Mais tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, cette leçon vaut bien un fromage. Et il m'a conduit sur le buffet. Eh bien, vous voyez, père, que encore un peu, vous aviez un duel avec un officier d'ordonnance du prince Albert. Oh. Rien que parce qu'il avait regardé, mère. Pourquoi un duel, un duel? Ben oui, un duel. Je sais bien que ce soir-là, vous étiez en chevaux légers. Ça n'empêche pas que vous êtes rendu compte à quel point vous étiez resté amoureux de votre femme. Amoureux, amoureux, oui. Ben oui, amoureux. Seulement voilà, quand on est marié depuis longtemps, on a tellement l'habitude d'être heureux ensemble qu'on ne se rend plus compte.
Il faut un incident pour vous le révéler. Car la certitude du bonheur est tout près de l'ennui. Vous êtes trop sûr de votre bonheur, père. Alors vous le voyez plus. Papa, remettez de temps en temps votre costume de chevaux léger. Il allait si bien à Merck. Battez-vous pour elle. Mais ne vous disputez plus avec elle. Hein? Toutes ces chamailleries sont bêtes, il n'y a rien là-dedans. Vous disputez pour un bouton de colle ou pour un bec au air. Mais qu'est-ce que c'est que ça dans la vie, un bouton de colle et un bec au air? Bon, rien du tout dans le fond, hein. Alors, père, soyez gentil avec mère. Ne discutez plus. Donnez-lui raison. Ça vaut mieux. Oui, ça vaut mieux. Ferdinand! J'ai pensé, si vous savez pas mettre le manchon, on peut chercher le gazier. Mais ça est une idée, ça! Mais enfin, puisque je sais le placer! Mais comme vous voulez, Suzanne, que... Ça y est, mon bouton de nouveau sauté! Venez, je vais coudre la boutonnière! Oui, oui, j'ai laissé tomber l'aiguille en route! Ça assure, ça! Vous, hein, tenir quelque chose dans votre main, hein! Bien, si vous m'aviez pas forcé d'aller le chercher en haut! Oh, ouais, mère, ouais. Oh, oui, oui, c'est vrai. Je vais en chercher une autre. Hortense? Oui? Je vais avec. La porte! Oui, chérie, que voilà. Ah, mademoiselle, je ne sais pas mettre un manchon. Et puis mettre un manchon, ce n'est pas l'affaire d'un homme, ça ne se porte pas. C'est très comique ce que vous avez dit là. C'est très parisien. Ce n'est peut-être pas très parisien, ce n'est peut-être même pas bruxellois, mais c'est comme ça. Alors si vous permettez, n'est-ce pas, mademoiselle? Ça, c'est gentil, maintenant. Pardon, mademoiselle, veuillez me dire si je suis envoyée ici pour être gentille ou si je suis chargée d'un travail déterminé. Vous avez donc tant à faire aujourd'hui? Énormément, oui. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Oh, rien. 2700 étiquettes à coller sur des bouteilles, alors je préfère y aller tout de suite. Monsieur Albert. Mademoiselle Suzanne. Veuillez mettre ce manchon sur le bec de gaz. Pardon, mademoiselle, est-ce un service commandé? Mais non, monsieur Albert, je vous demande bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz. Je vous demande de bien vouloir mettre ce manchon sur le bec de gaz parce que ça raccommodera père et mère qui étaient encore en dispute à cause de ça. J'ignorais que les manchons recollassent les ménages. Mais puisque la bonne entente de la famille Bellemans doit en dépendre, et comme j'ai accepté la mission d'être tampon entre monsieur votre père et madame votre mère... Et que vous m'avez promis que vous seriez toujours très gentil avec moi. Ah, j'ai promis? Eh oui. Oui, oui, c'est vrai, j'ai promis. Ah. Ah ben, monsieur Albert, vous êtes tout de même bien comme ça. Oui, la statue de la Concorde éclairant le ménage Bellemans. Ça ferait bien sur une pendule. Oh, monsieur Albert, vous moquez de moi. Comment? C'est moi qui suis ridicule et je me moque de vous? Mais enfin, je ne croyais pas que c'était trop ce petit service que je vous ai demandé. Voilà comment on se trompe. Et je ne pensais pas que vous auriez été grossier avec moi. Ah, je vous demande pardon, mademoiselle, je ne suis nullement grossier. Vous m'avez demandé de placer ce manchon. Je l'ai placé, il est là. Je n'ai plus qu'à m'en aller en vous présentant mes respectueux hommages. Monsieur Albert, vous êtes un insolent! Je vous défie, mademoiselle, dans tout ce que je vous ai dit, de trouver une seule marque d'insolence. Je suis froid, mais respectueux. Et au surplus, je vais coller mes étiquettes. Mais c'est ça, monsieur Albert. Allez coller vos étiquettes. D'autant plus que si vous devez toutes les mouiller avec votre langue, ce serait dommage de perdre votre salive en parlant. Excusez-moi si je rectifie ici une erreur, mais depuis quelques jours, monsieur Bellemans a acquis pour ce travail une machine nouvelle qui fait la gloire de sa maison. Mais regardez, monsieur Albert, je vous ai fait venir pour éviter une nouvelle dispute entre père et mère, et voilà maintenant que c'est nous qui nous chamaillons. Ah, je ne me chamaille pas. J'ai trop le sentiment des distances pour me permettre de me chamailler avec vous. D'ailleurs, si je perdais ce sentiment, monsieur votre père me le rappellerait à la première occasion, avec ce tact qu'il distingue. Enfin, monsieur Albert, mais qu'est-ce que vous avez contre moi aujourd'hui? Vous me parlez brutalement. Je vous ai jamais rien fait de mal. Au contraire. Je crois avoir fait tout ce que j'ai pu pour vous rendre la vie ici, si pas agréable, du moins insupportable. Je vous ai regardé comme un ami. Votre ami? Oui. Et aujourd'hui, je ne sais pas, il y a quelque chose. On dirait que vous êtes plus bien avec moi, que vous êtes fâché.
Je sais pas pourquoi. Ça me fait beaucoup de peine. Mais, mademoiselle, je vous assure, je ne comprends pas. Je n'ai ni colère, ni rancune. Allez, dites-moi sincèrement ce que vous avez sur le cœur, je vous en prie. Eh bien non, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas. Pourquoi? Vous avez plus confiance en moi? Eh bien voilà. Ah. Surtout, mademoiselle, n'allez pas trouver dans ce que je vais vous dire une expression de dépit. C'est en ami, en grand ami, en ami seulement que je vous parle. Eh bien voilà, votre mariage avec monsieur Séraphin... Séraphin... Comment dirais-je? Mais dites n'importe comment. Eh bien, ce mariage ne me plaît pas. Ce mariage ne vous plaît pas? Non. Mais pourquoi? Monsieur Séraphin est un fort brave garçon. Oh, oui. Oh, évidemment, il n'a pas l'élégance d'un snob ou l'allure d'un poète, mais il est sérieux. Et il est assez intelligent pour qu'avec moi, il ait des enfants bien importants qui n'auront jamais la méningite. Vous voyez, j'aurais mieux fait de me taire, n'en parlons plus. Mais si, parlons-en au contraire. Dites-moi un peu les raisons que vous avez pour me dire ça. Je suis sûre que ces raisons sont excellentes. Mais non, je vous assure. Mais si, mais si. Mais non. Oh, monsieur Albert. C'est vrai, nous sommes ridicules. Tant pis, fâchez-vous, ne vous fâchez pas, je vous dirai toute ma pensée, dût-elle vous blesser. Eh bien, ce mariage ne me plaît pas parce que vous n'aimez pas monsieur Séraphin. Et fût-il un Séraphin à la manière des anges, un Séraphin avec des ailes sur le dos, vous ne l'aimez pas. Vous croyez peut-être que vous l'aimez, mais c'est à la manière de ces enfants qui s'apprêtent à fumer leur premier cigare et qui, à la troisième bouffée, ont mal au cœur. Vous n'avez pas une nature à supporter le tabac. Vous avez un estomac délicat. Oui, vous avez une petite âme fine, fringante, toute pleine de tendresse. Et pareil à ces fleurs qui, endormies sous les eaux calmes d'un lac, s'épanouissent dès qu'elles arrivent à la surface et qu'un rayon de soleil les réchauffe. Vous êtes cette jolie fleur rare qui s'éloigne des hommes afin que le plus fort seulement et le plus audacieux puisse aller l'accueillir. Eh bien, au lieu que ce soit celui-là qui vous atteigne, c'est un passant de hasard, fruste et inhabile, qui a été conduit le premier auprès de vous et qui, stupidement, sans qu'il lui soit possible de percevoir ce parfum trop subtil qui s'exhale de vous, vous prend et vous emporte. Croyez-moi, mademoiselle, celui-là, au premier contact, vous froissera. Et les pétales de la jolie fleur des eaux se refermeront sur votre petite âme claustrée à jamais. Peut-être, oui. Mais certainement. Ce qu'il vous faut à vous, c'est un homme qui vous comprenne, qui, au contraire, réveille ce qu'il y a en vous de si précieux et de si charmant. Ce qu'il vous faut, c'est un mari qui vous révèle à vous-même, qui, dans votre propre cœur, vous mène de découverte en découverte. Car vous ne vous connaissez pas plus qu'il ne vous connaîtra jamais, votre Séraphin. Avez-vous vu parfois ces bestiaux dolents qui, dans l'attente d'un train qui passe, broutent l'herbe d'un pré? Croyez-vous qu'ils épargnent les campanules tremblantes? Non, ils arrachent brutalement ces vies fragiles qui grincent sous leurs dents. C'est ainsi que monsieur Séraphin vous prendra. Et sans doute, pendant ce temps, vous êtes dans le train qui passe. Vous regardez le repas des animaux et... vous regrettez que la campanule ne soit pas pour vous. Mais non, je tire le signal d'alarme et je vole à votre secours. Et vous me mettez à votre boutonnière. Et puis après, vous me placez dans un herbier où je pourrais sécher avec tous vos souvenirs. Bon, croyez-moi, monsieur Albert. Monsieur Séraphin a bien le mari qu'il me faut. Il est bon, il est simple, il parle le même langage que moi. Oh, c'est un pauvre. Ah oui, je suis une âme fine, je suis une petite fleur. Mais non, c'est vous qui me voyez comme ça. Parce que vous me chargez d'un tas de jolies choses que vous avez dans votre imagination et que vous dites si bien. Mais non, voyons. Mais je n'ai pas tous ces ornements botaniques. Je ne suis pas une petite fleur. Je ne suis pas une petite fée. Je suis une petite fille d'ici. Je suis mademoiselle Beulemans. Et je dois marier monsieur Séraphin Meulemeester parce que c'est tout naturel. Madame Séraphin Meulemeester née Beulemans. Voilà ma carte de visite. Ce n'est peut-être pas un Bristol de luxe, mais c'est de la bonne typographie, sur du bon carton. Et puis, monsieur Séraphin, c'est aussi le choix de mes parents. Oui, je ne peux pas dire que j'éprouve pour monsieur Séraphin des sentiments véritables. Mais alors il ne me déplaît pas. J'aurai la tranquillité avec lui. C'est peut-être plus certain que ce rêve où m'emporterait une passion comme on en voit dans les romans et qui me ferait tomber de trop. Non, je vous en prie, monsieur Albert, ne me parlez plus d'un bonheur pareil. Je ne le mérite pas plus que les autres. Et les autres en ont-ils du bonheur? Mais oui, il y a des gens heureux, ou du moins, il y en a qui ont le courage de tendre vers un bonheur meilleur. Mais enfin, à la fin, monsieur Albert, vous allez me dire que monsieur Séraphin est un mauvais sujet? Un soulard qui me battra? Mais oui! Mais qu'est-ce que vous avez à dire contre monsieur Séraphin? Connaissez-vous un seul reproche à lui adresser? Un seul? Connaissez-vous une seule mauvaise action de sa part? Non. Alors? Puis quand vous m'aurez comme ça laissé entrevoir des rêves impossibles, vous me la porterez, vous? Ce mari qui me comprendra, ce mari qui me fera voir toutes les grâces que je n'ai pas. Vous me l'apporterez, vous, ce mari auquel je n'ai jamais voulu penser, même quand j'étais une petite fille,
parce que je savais qu'il était introuvable dans le monde où je suis née, dans le monde où je dois vivre. Mais vous le seriez, vous, ce mari. Mais je n'ai... J'étais tranquille, j'étais simple, j'étais sur la terre, vous m'emportez vers des rêves impossibles. Oh, c'est très mal, monsieur Albert. Vous êtes un méchant, je vous déteste, je vous déteste. Mademoiselle Suzanne, je n'ai pas voulu... Eh bien, monsieur, qu'est-ce que vous avez encore une fois fait que Suzanne a des larmes dans ses yeux? Oh, ouais, papa, il est très méchant. Et pourtant, je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien fait. Mais enfin, monsieur. Ouais, il m'a appelé Campanule. Campanule? Petite dame claustrée. Claustrée? Oui. Il m'a mise au milieu d'un lac. Vous avez mis ma fille au milieu d'un lac? Et elle sait pas nager? Allez, monsieur. Sortez. Vous n'avez rien à faire ici. Votre place est sur le bureau. Mais enfin, papa. Mais qu'est-ce que vous avez contre ce garçon? Qui, moi? Mais oui. Vous profitez de toutes les occasions pour lui dire des choses désagréables. Mais enfin, c'est vous qui... Mais c'est moi qui quoi? Ben, c'est vous qui vous êtes plainte. C'est moi qui... Qui fait venir monsieur Albert pour... Pour mettre le mensonge. Tenez, je ne sais pas ce que vous avez, mais je crois que ces refrains vous tournent un peu la tête, hein? Et que votre mariage vous rend faux. Il a su le placer, au moins. Quoi? Le manchon. Oh oui, très bien. S'en mettons. Je l'ai même fait avec dextérité. Dexternité! Dexternité! Aïe, 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 aïe. Hein? À propos, monsieur Dexternité, j'ai appris que vous êtes entré à la société des employés et ouvriers de brasserie. En effet, monsieur Belmans, j'ai pensé vous être agréable. Oui, c'est bien ça, hein, Perk. Je voulais m'être agréable. Oui. Eh bien, mon ami, si vous voulez réellement m'être agréable, ne vous mêlez de rien du tout. J'ai Séraphin pour me pousser. C'est tout ce qu'il me faut. Je sais ce qu'on pense de vous à la société. C'est dangereux pour moi. Ce qu'on pense de moi? Oui, avec vos façons de parler, de faire des manières, de... On dit que vous êtes un faiseur d'embarras, et on vous évite. Je vous affirme que je n'ai pas remarqué cet ostracisme. Ostracisme! Ostracisme! Vous voyez, hein? Rouge et neuf pour ce garçon! Vous voyez? Mais vous voyez quoi? Vous dites ostracisme à papa. Il ne sait pas ce que ça veut dire, et alors? Et alors quoi? Alors il trouve que c'est vous qui êtes un imbécile. Il a peut-être raison. Au revoir, mademoiselle Suzanne. Au revoir, monsieur Albert. Tout à l'heure? Oui, à tout à l'heure. Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Suzanne! Mademoiselle Isabelle! Mademoiselle Suzanne, ne riez pas! Je sens que je vais vous faire un gros chagrin, mais je sens que je dois vous le faire. J'ai longtemps pensé avant de vous faire un gros chagrin. Mais maintenant, je crois que je dois vous faire un gros chagrin. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle? Ça fait 6 nuits que je dors plus, mademoiselle. Vous rattraperez, hein? Allez, dites. Oui, ça vaut mieux. Eh bien, dites. Mais dites, Isabelle. Mademoiselle Suzanne, ne vous fâchez pas. Sans ça, je pourrais plus rien dire du tout. Et je sens que je vais pleurer. On ne pleurait pas et parler. Oui, Jésus-Maria. Isabelle? Oui. Eh bien, ça est une chose qu'on m'a dit chez la verdurière du coin, qui a mis avec le fils de l'estaminet de la rue du Boulet, qui est le frère de la nourrice et celui-là de la Vente Rouge, qui fait les ventines de monsieur Séraphin. Oui, je respire, hein? Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh bien, il a dit comme ça, que monsieur Séraphin fréquentait sur une fille qui est lingère à la journée, qui s'appelle Anna, et qui est sa bonne amie. Bah... Tous les jeunes gens ont une bonne amie, hein? Oh? Oh oui? C'est tout? Oui! Non! Oui! Allez, Isabelle, il y a autre chose. Oui, mademoiselle Suzanne, il y a autre chose. Il y a un enfant. Un enfant de Séraphin? Oui. Vous êtes sûre? Mais oui! Non, mais tout à fait sûre! Mais oui, je l'ai vu! Quand le fils de l'estaminet de la rue du Boulet a dit ça à la verdurière et que la verdurière me l'a raconté, j'ai été pour voir moi-même. Parce que je vous aime, toi, mademoiselle Suzanne. Isabelle. Oui. Alors j'ai pris les renseignements et maintenant je sais que c'est certain. Alors j'ai pas voulu attendre qu'il était trop tard et j'ai demandé à Isidore. Quel Isidore? Un sous-officier des carabiniers.
Tenez, tenez. Oui, mais qui est de mon village, hein? Elle m'a dit comme ça, vous devez pas vous mêler avec ça. Ce garçon est bien libre de faire ce qu'il veut. Alors j'ai tout de suite su que je devais vous le dire. Parce que les hommes, mademoiselle, c'est tous des Isabelle. Oui, mademoiselle. Comme ça, vous êtes prévenue et vous saurez la contre avant de vous marier. Suzanne! Suzanne! Oui, voilà, madame. Dites rien que je vous ai dit, non, hein? Non, c'est rien. Allez, Isabelle. Suzanne! Suzanne Séraphin Meule, maître, est là avec son père. Il n'est pas encore l'heure? Non, mais ils sont venus un peu avant pour ne pas avoir l'air de venir juste pour manger, hein? Ce sont des gens distingués. Tu veux un petit peu me coiffer? Oui. Moi, je vais mettre un peu de poudre sur mon nez. On va passer, mais... Venez seulement par ici! Vous verrez déjà la table. Vous avez fait des embarras. Oui. Ça, vous avez tort. Avec nous, ça doit être à la bonne flanquette. Oui, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Une propre nappe est déjà bleue. Mais je n'ai pas encore vu Suzanne qui... Ah, elle est probable en train de passer sa houppe sur son nez. Et Madame Bellemance? Oui, celle-là, sûrement, aller chercher son fasse en main. Ah oui, c'est un très bon genre quand on reçoit du monde. Oui, mettez-vous. Oui, nous avons encore un œuf appelé ensemble pour les jeunes fiancés. Oui. Alors, comme ça, c'est le mariage pour dans 4 mois. Mm. Ce sera le commencement du printemps. Ça est mieux pour le voyage de noces. Hein? Oui, oui, en été, il fait trop chaud. Oui. Je me rappelle quand j'ai marié ma regrettée Stéphanie, on a été en Italie. Oui. Il faisait tellement chaud. Et on était si fatigué que quand on était de retour, on a dû tout recommencer. Moi, j'ai fait mon voyage de noces à Bruxelles, à l'hôtel de l'Espérance, en face de la gare du Midi. Vous avez été dans la direction du Midi. Oui. Et où c'est que vous croyez qu'ils iraient? Ah, oh, Séraphin veut absolument aller à Londres. Tiens, Suzanne qui veut absolument aller en Suisse. Ah? Oui. Ça commence bien. Oui. Ça commence bien. Enfin, ils n'auront qu'à s'arranger, hein? Ben oui, on n'a pas d'affaire avec ça, hein? Une fois qu'ils sont mariés, ils n'ont qu'à tirer leur plan, hein? Qui tire seulement? Vous donnez 50 000 francs à votre fille. Oui. Et vous? Moi, je lui donne Séraphin. Hey, mais qu'est-ce que lui donne? Ah, il donne son métier, sa situation. Il est employé chez moi avec 225 francs par mois. Oui. Et plus tard, il aura les affaires. Plus tard, oui, mais maintenant, ça n'est pas beaucoup, hein? Comment ça n'est pas beaucoup? C'est déjà les appointements d'un lieutenant. Oui, mais ma fille a 50 000 francs. Ah, mais la fille doit toujours avoir un peu plus que le garçon, hein. Sinon... Ça n'est pas juste. Ça, c'est le temps qui court. Alors, laissons-le courir. Qui court seulement? Enfin, s'ils ne vont pas, on sera toujours là pour leur donner un coup de main. Nature. Et où c'est qu'on fera le dîner? Ici, n'est-ce pas? Le dîner, c'est toujours chez les parents de la jeune fille. Hein? Et est-ce qu'on fera beaucoup d'invitations? Ah, beaucoup. Ça doit être chic. Je vous donnerai ma liste. Hein, vous avez une liste? Alors, il faudra leur installer un mobilier. Oh, Séraphin a beaucoup de goût, hein? Il fera ça sûrement très bien. Non, ça, c'est pour vous.
Le mobilier, c'est toujours les parents de la jeune fille qui doivent le fournir. Ça est l'habitude. Ça sont les convenances. Et les parents du jeune homme? Ils doivent fournir les lettres de faire-part. Avec les enveloppes. Vous êtes sûr? Demandez à qui vous voulez. Non. Enfin. Alors, tout est arrangé? Oui, je crois qu'on peut se donner la main. Et espérons que les enfants seront heureux. Tout pour le bonheur de ma fille. Tout pour le bonheur de mon fils. Et maintenant, mon cher Mulmister, je voudrais bien... Quoi? Vous demandez que votre fils s'occupe de ma présidence d'honneur. Mmh. Il a dit que ça allait bien. Hein? Oui, je sais. La dernière fois, vous avez été épuisé. Hein? Oui, mais il s'en occupe, n'est-ce pas? Rien que pour l'honneur de la famille. Oui, oui, mais je voudrais bien qu'il s'en occupe autrement que l'autre fois. Bonjour, monsieur Bellevent. Ah, Séraphin! Comment ça va, fiston? Très bien. Et ma belle-mère, madame Bellevent? Très bien. Et Suzanne Aguin? Très bien. Bonjour, père Aguin. Bonjour, fiston. Bonjour, monsieur Bellemet. Ah, Suzanne Aguin. Madame Bellemont. Bonjour, monsieur Bellemeste. Bonjour, Séraphin. Madame Bellemont. Je suis un petit peu en retard car j'ai travaillé jusqu'au dernier moment au bureau. Il y a eu beaucoup de rentrées aujourd'hui. Et puis alors, on a reçu la nouvelle machine pour coller les étiquettes sur les bouteilles. Ah, ouais. Eh, ça va bien, cette machine? Très bien. Il y a une chose comme ça, hein, qui prend la bouteille, hein. Et puis vous avez un machin, et alors le bazar descend, et clète se coller. Vous irez voir, ça, ça est très intéressant. Il est au magasin. Vous n'avez qu'à demander à M. Albert, le France-Quillon. Hortense? Oui. Mais le maître, si on laissait les jeunes gens un moment ensemble... Oui, ils doivent avoir des choses à se dire. Oui, pour préparer leur ménage. On laissait le faire, c'est un fin. Est-ce que vous avez déjà vu mes nouveaux caveaux? Non. Venez les voir. Séraphin les connaît, il n'a pas besoin de venir. Moi, je vais m'occuper du café. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est solide, ces caveaux? C'est en béton. En béton armé, hein? Ce sont des caveaux à perpétuité. Ils sont partis pour nous laisser seuls à deux. Je crois aussi. Pour nous laisser le temps de se dire tout ce qu'on doit se dire. Oui. Oui. Alors, puisque nous sommes ici pour causer, causons. Causons! De quoi? Du mariage? Eh bien, c'est dans 4 mois que nous irons à l'hôtel de ville. À l'église aussi, hein. Ça vaut mieux pour les enfants. Oui. Mettez-vous. Séraphin, quand nous serons mariés, qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, le matin, je me lèverai, je déjeunerai, j'irai au bureau, et à 12h15, je rentre à la maison pour dîner. Alors, je retournerai sur le bureau. À 7h, je rentre souper, et puis je sors pour aller trouver mes camarades au café. Oui, ça tombe bien. Quand vous partez le matin, je vais faire mon marché, je reviens, je surveille un petit peu le dîner. L'après-midi, j'arrange un petit peu le ménage, je fais préparer le souper, et comme ça, je suis libre le soir, quand vous allez au café, pour aller avec. Le soir? Oui, le soir. Au café, vous venez avec? Oh oui, n'est-ce pas? Oui, mais ça n'est pas l'habitude. Pourquoi? Généralement, la femme reste à la maison. Pourquoi? Mes amis diraient que j'ai tout le temps ma femme à mes trousses. C'est la loi, la femme doit suivre son mari. Non, écoutez, Suzanne, que ça, ça vaut mieux le dire tout de suite. Ce que vous demandez, là, ne sera pas possible. Donc, je sortirai pas tous les soirs, mais quand je sors pour aller trouver mes camarades, j'aime mieux que vous n'iriez pas avec. Est-ce que c'est bien pour aller trouver vos camarades? Ben, ça est sûr. Ce n'est pas plutôt pour aller chez mademoiselle Anna. Anna? Chez Anna? Mais qu'est-ce que c'est, ça? Moi, je connais pas d'Anna. Séraphin, il faut pas mentir. Mais je mens pas. Mademoiselle Anna, rue du Boulet. Qu'est-ce que vous a dit, ça? Peu importe, je le sais de façon certaine. C'est Albert qui vous l'a dit. Il n'y a que lui qui le savait. Ah, il savait? Ben alors, c'était vrai.
Non. Mais qu'est-ce qu'il s'en fait alors? Rien. Vous voyez bien que c'est vrai. Ah, vous reconnaissez, hein? Oui. Oui, mais je la vois plus. Vous la revoyez plus? Pourquoi? Parce que ce n'est pas une fille de mon rang. Ça est une simple lingère. Elle travaille à la pièce pour les grandes semaines en 95 centimes. Ça ne sait quand même pas rester, continuer, durer jusqu'à la mort. Oui, et puis elle se consolera avec un autre, n'est-ce pas? Comme vous l'avez probablement consolé de celui qu'elle avait tué avant vous. Ah non, hein, ça pas! Elle n'en avait pas eu avant moi. Vous êtes sûr? Oh, oui. Et vous allez la quitter comme ça? Oh, c'est facile, hein? Je vais plus, voilà tout. Vous n'irez plus chez elle? Ça, je vous jure. Donc, vous comprenez, ça doit finir. Je n'aurais quand même pas pu l'épouser. Mais pourquoi? Parce que ça n'est qu'une ouvrière. Est-ce que votre mère n'était pas une passementière? Et la mienne, une modiste? Oui, mais nous ne sommes plus du rang de nos parents. Mon père a de l'argent et je peux quand même pas marier une ouvrière. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire, du petit? Quel petit? Votre petit. Vous avez eu un enfant avec elle. On vous a dit ça aussi? Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec le petit? Je le lui laisserai. Et vous soignerez pour lui? Oui. Non. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire pour Mlle Anna? Je la laisserai tranquille. Elle m'a rien fait. Mais vous lui donnerez de l'argent? Ah oui? Non. Enfin. Mais vous ne pouvez pas laisser cette pauvre fille comme ça avec le petit. Il est joli, le petit. Très joli. Quel âge a-t-il? 2 ans et demi passés depuis l'ouverture du pont Nord. Il est brun ou blond? Blond, avec des petits cheveux tout crôlés. Est-ce qu'il parle déjà? Oui, c'est malin, vous. À 2 ans et demi passés depuis l'ouverture du pont Nord, mais c'est sûr qu'il parle. L'autre jour encore, tenez, on avait été tous les trois à la petite Espinette. On avait pris une tartine avec du fromage blanc et des radis. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi, est mieux à mon âge. C'est amusant, hein? Oui, c'est amusant. Alors, tous les dimanches, vous allez à la petite Espinette? Oui. C'est un bon ménage? Oui. Oh, non, moi, j'avais été à la petite Espinette. Juste au Verchasseur, je les ai rencontrés tous les deux sur le tram. Tenez. Écoutez, Suzanne, que je vous en prie, ne parlons plus de ça. Ça est assez gênant. Et je sens que je dis des choses contraires. Donc vous me parlez de ce petit, n'est-ce pas? Alors moi... Alors vous pensez qu'il est gentil? Mais oui. Et vous avez là quelque chose? Mais oui, justement, j'ai là quelque chose. C'est bien ce que je disais. Enfin, j'ai quelque chose. Mais il ne faut pas vous défendre de ça. Cette émotion, c'est ce que vous avez eu de meilleur. Alors vous n'êtes pas fâché? Non, au contraire. Oh, Suzanne, que vous êtes quand même une brave fille. Alors, il est blond, avec des crolles, comme le petit Saint-Jean-Baptiste. Oui. Et le dimanche, Anna lui met un petit œil bleu dans ses cheveux. Et comment est-ce qu'il vous appelle, le petit? Parrain. Parrain? Oui, c'est gentil, parrain. Et vous aimez ce petit garçon? Oh, oui. Et lui? Comment est-ce qu'il se nomme? Séraphin. Oui, n'est-ce pas? Séraphin, le nom de son parrain. Ben c'est Anna qui a voulu ça. Sans doute pour qu'il ait un souvenir de son père. Mais qu'est-ce que vous avez, Suzanneke? Moi, je vous êtes si drôle maintenant. N'ai rien, Séraphin. Plus tard, quand nous serons mariés, je vous appellerai par votre petit nom, je pourrai penser à lui. Quand je vous verrai arriver, je vous verrai avec une petite tête blonde, crôlée, un petit ruban bleu. Je crois que ça vous irait très bien, Séraphin. Bon, Suzanne, vous êtes en train de vous moquer de moi. Moi, pas du tout. Je trouve ça comique. Vous trouvez pas ça comique, vous? N'y penserez pas, vous, plus tard. Quand nous serons mariés. Quand on aura aussi un petit garçon qui vous ressemblera. Comme il vous ressemble, probablement. Quand vous le verrez, gentiment habillé, revenir le jour de la Noël de chez sa bonne maman, avec des jouets pleins à ses bras, et des pains d'épices plus grands que lui. Car il sera gâté par son bon papa et sa bonne maman. Mais j'y pense, Séraphin.
Notre petit garçon n'aura pas de papa. Mais est-ce qu'il aura un bon papa et une bonne maman? Est-ce qu'il aura des jouets, des grands pains d'épices? Est-ce que sa mère saura lui donner sa Saint-Nicolas avec des chemises pour les grandes semaines à 95 centimes? Vous pleurez. Vous pleurez, Séraphin. Oh, mais alors, vous n'êtes pas un méchant homme. Vous n'êtes pas le vilain que je croyais. Mais non, je ne suis pas le vilain que je croyais. Alors écoutez, Séraphin, retournez vite auprès de la maman de votre petit garçon. Elle a déjà sûrement mis une propre nappe à carreaux sur sa petite table. Et deux jattes de porcelaine ou votre café de 4 heures refroidi. Allez le boire. Car si même il n'y a que de la chicorée dedans, il sera moins amer celui que vous auriez dû boire ici, à l'occasion de nos fiançailles. Mais Suzanne, que... Quoi, Séraphin? Mais qu'est-ce que père va dire? Bah rien, on lui dira la vérité. Que ça jamais, Suzanne, que ça jamais. Il est capable de tout. Jamais j'oserais lui avouer que j'ai un enfant. Ah ben, on lui dira n'importe quoi. Il sera peut-être fâché, mais plus tard, quand il saura tout, il sera très content. Et si même il doit rester fâché pendant toute sa vie, il vaut mieux pour vous la colère de votre père que celle que vous auriez contre vous-même. Allez, Séraphin, me décidez-vous. Nous ferions mauvais ménage. Et là-bas, il y a un ménage tout fait. Et un bon... Il y a votre femme, votre enfant. On l'est auprès d'eux. Séraphin? Suzanne, que... Oh, vous êtes un brave garçon. Allez, venez me donner une baise. Non, oh, oui. Ah. Oh. Ah. Il faut plus se gêner. Comment on a eu l'imprudence de laisser ces jeunes gens tout seuls à deux? Oui. Alors, on a fait des projets d'avenir? Oui, madame. Mais appelez-moi seulement maman. Mais je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas, madame? Voilà. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas? Oh, oui. Maman. Voilà. Alors, on a tout réglé, tous les deux? Oh, oui, père. Et est-ce qu'on peut savoir, par exemple, ce que vous avez décidé? Oui, père. On a décidé qu'on se marie, pas. C'est une blague, n'est-ce pas? Mais non, on se marie, pas. Elle vous sert à faim? On se marie pas. Vous aviez l'air si bien d'accord. Mais oui, mais on est d'accord. Pour pas se marier. Je parie que vous avez voulu aller à Londres et elle en Suisse. Oui, oui, bon, oui, c'est ça. Avec un enfantillage, ça. Mais non, c'est comme ça. Alors, il y a autre chose que je sais pas mais que je sens. Votre fils a sûrement fait quelque chose de contraire. Non, père. Elle a trop bon cœur pour le dire, mais moi je sais ce que je dis. Non. Elle fait signe que c'est pas vrai. Je crois plutôt, moi, que c'est mon fils qui a trouvé quelque chose sur votre fille. Qu'est-ce que vous dites? Mais non, père. Laissez-vous. Il faut riposter par le mépris. Séraphin, couvrez-vous et venez. Vous pouvez sortir, la porte là. Je sors, mais je ne salue personne. Et je reprends mes blouses. C'est un peu fort, ça, hein? Et vous, monsieur Albert, vous êtes là et vous dites de rien. Moi, monsieur Belmans, mais je ne suis rien à la contre. Oh. Comme il commence à bien parler. Ouais.
Ah! Ah, ça, ça est ici qu'on se réunit? Oui, oui, mon cher. On prépare la grande salle pour l'Assemblée générale qui a lieu dans une demi-heure. Je suis en retard, monsieur le président. Oh non, comment juste? Ah, bonjour, monsieur le président. Bonjour, madame. Bonjour, Séraphin. Bonjour, bien, oui. Bonjour, Séraphin. Allez, mettez-vous. La séance est ouverte. La parole est à monsieur le secrétaire pour donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Séance du comité du 2 décembre. La séance est ouverte à 7 heures sous la présidence de monsieur Mostings, président. Sont présents monsieur Mostings, président. Verduren, secrétaire. Baron, trésorier. Séraphin Meulemeester. Jean Keulenaar. Théodore Rey, commissaire. Monsieur le Président communique la nouvelle du décès de Monsieur le Président Ebbings. On décide sous la proposition de Monsieur Meulemeester Séraphin d'envoyer une lettre de condoléances à la famille. On décide aussi dans... Halt! Un moment! Qu'est-ce que vous occupez? Une gueule. Une gueule. Une demi-gueuse. Oui. Un panaché. Un panaché. Moi, son frère. Un panaché. Une bonne demi-gueuse. Oui, oui, c'est vrai. Une demi-gueuse. Une demi-gueuse. Est-ce que vous avez de la veuve Clicquot extra drain? Ben oui, oui, monsieur Séraphin. Oui. Oui. Alors donnez-moi un double panaché. Oh. Il a toujours le petit mot pourri. Messieurs, j'ai arrêté parce que c'est pas la peine de dire le secret de nos délibérations devant la file. Oui, vous avez bien fait, Président. La parole est au secrétaire. On décide aussi d'envoyer une couronne et d'assister encore aux funérailles. La séance est levée à minuit. Quelqu'un demande la parole sur le procès-verbal? Non, hein? Non, non, non. Alors, adopté. Maintenant, nous devons choisir un candidat pour remplacer l'ancien président d'honneur. Ce sera celui du comité, et comme toujours, il sera nommé. Oui. Il n'y a qu'un seul candidat, on n'a pas difficile à choisir. Ce candidat est celui de notre ami Séraphin. La parole est donc à M. Meulemeester pour présenter la candidature de M. Beulemans. Messieurs, d'abord, je dois dire quelque chose. Je ne présente pas M. Beulemans. Ah! Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est délicat pour vous à cause du mariage manqué, là. Ah, ouais, ouais. Mais ça fait rien, hein? Quelqu'un d'autre peut le présenter pour vous. Et je crois que Théodore Rey peut... Pardon, monsieur le président, vous n'avez pas la parole. Je demande la parole. Vous avez la parole. Ça n'est pas à cause de l'histoire du mariage. Puisque ça est moi qui n'a pas voulu. Oui, j'avais mes raisons. Naturellement, ça ne nous regarde pas. Quand on a ses raisons, on a ses raisons. Vous avez la parole. C'est parce que je trouve que Beulemans ne sera pas un bon président d'honneur. D'abord, ses affaires ne vont plus aussi bien qu'avant. Et puis, il ne sait pas parler. Et puis, ça n'est pas un gentleman. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas un gentleman, hein. Il non. Connaît pas les manières. Si jamais le roi vient à la société, il saura seulement pas faire comme à la cour. Ça non, ça non. Oui, mais si on prend pas celui-là, qui on prendra? Il y en a pas d'autres. Moi, j'en ai, hein. Ah ouais? Qui ça? Halt! Mon panaché, hein. Merci, Bloque. Merci, Isabelle. Merci, Bollocker. Voilà, monsieur Kemp. Merci. Monsieur Séraphin. Merci, Smooth Bollocker. Santé. Allez, santé. 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 C'est du bien, hein? Thank you.
La séance continue. Qui ça? Monsieur Meulemeester, mon père. Ah! Tiens, ah, oui. Ça est un aussi grand commerçant que Bull. Ouais. Et puis, il s'est causé. Ouais. Il est dévoué à la brasserie depuis qu'il est tout petit. Ouais. Et puis, il sait recevoir. Oui, ouais, mais est-ce qu'il sait aussi donner? Parce qu'un bon président d'honneur, ça doit savoir donner. Nature! Sans doute pour moi! C'est mon meilleur! C'est... Oh! Je ris que je pleure! Il y a quelqu'un qui défend Meulemeester? Non, hein? Non. Bon, alors je mets aux voix la candidature de M. Meulemeester. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Que ceux qui sont contre lèvent aussi la main. M. Meulemeester est le candidat du comité à l'unanimité. Bravo. Il y a encore quelque chose à l'ordre du jour? Non. Quand l'Assemblée Générale commencera, je sonnerai avec cette sonnette. Allez, c'est levé. Merci infiniment. Cher ami, parfait, certain. Merci, cher Théon. Monsieur Girardin, bravo. Monsieur Golada, Monsieur Baron, emmenez-moi donc. Encore bravo. Merci, monsieur le président. Tout le monde vous a apporté. Merci infiniment. Bien, fils. Ça y est, vous êtes le candidat du comité. Et Meulemeester, combien de voix? Rien du tout. À l'unanimité? Oui. Mais alors je suis nommé. Ça est sûr, mais je crois tout de même que ça serait bon d'aller causer un peu gentiment les membres. Il y en a déjà dans la salle. Oui, on va peloter les lecteurs. Oui, peloton. C'est ça la salle? Non, c'est celle du comité. Je crois que la séance est finie. Bah oui, puisqu'il n'y a que vous sur les rangs. Oui, mais je crois quand même qu'on a eu tort de venir. Pourquoi? Vous êtes sûr d'être nommé? Oui. Autant profiter tout de suite sur les félicitations et payer la tournée générale. Hein? Sûr, ça on n'est jamais. Monsieur Albert? Patron. Allez une fois voir Sir du Nouveau. À l'instant. Mais attention surtout aux gaffes. Hein? Ne vous mêlez de rien, hein? Je vous promets. Je ne voudrais pas avoir la même farce que l'autre fois. Mais il est gentil, monsieur Albert. Il s'est mis de la société rien que pour pouvoir voter pour vous. Oui, c'est tout ce qu'il peut faire. Mais c'est tant plus gentil de lui que son père est arrivé de Paris par le train de 6 heures. Ah. Et il n'est pas de nous chercher là à la gare rien que pour venir ici. Monsieur Lepierre est arrivé? Oui. Est-ce que vous croyez que ça ira, Suzanneke? Quoi? Mais l'élection, tiens. Mais ouais, hein. Vous avez presque été nommé la dernière fois. Oui, mais non, ça n'est pas la même chose. Alors je vais Séraphin pour me pousser. Mais oui, mais cette fois-ci, vous êtes tout seul candidat. Mais qu'est-ce que vous croyez que Séraphin fera? Rien du tout. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque vous êtes tout seul? Ça est un peu fort, ce que je viens d'apprendre. Hein? Quoi? Vous avez un concurrent. Qui, moi? Qui, Meulemeester? Qui, père? Oui, vous. Vous voyez, il n'est bon qu'à apporter de mauvaises nouvelles, celui-là. Et qui se permet? Monsieur Meulemeester. Séraphin? Non, son père. Ça, c'est un peu fort. Hein? Il est choisi comme candidat par le comité. Il est choisi comme candidat par le comité. Alors, je suis dedans. Je vous demande un peu. Un homme qu'on n'a même pas voulu dans notre famille. Et qui a presque été sur la liste des protés. Lui, président d'honneur. Non, ouais. Mais d'où est-ce que ça sort, donc? Mais qui est-ce que ça a été? Tiens, je me rappelle que je lui ai encore donné 2 francs avant son mariage, quand Séraphin est venu au monde. Comment? Oui, il n'était pas marié avec sa femme quand Séraphin est venu. Non, mais c'est vrai, ça. Prenez garde aux stances, nous causons devant une jeune fille. Et Séraphin, il le sait pas? Tiens, on dit pas ça à ses enfants. Nous aussi, on l'a tenu caché, hein. Puisque vous deviez le marier, n'est-ce pas? Ah bien, ça c'est une chose que je ne savais pas. Eh oui, Séraphin est un enfant reconnu. Et ça se permet de présenter des candidatures. Oui, mais enfin, monsieur Meulemeester est candidat, mais qu'est-ce que ça fait? On votera, n'est-ce pas? Mais je n'ai personne pour me pousser. Mais oui, mais vous êtes sympathique. Et vous avez beaucoup de nos ouvriers dans la salle. Oui. N'est-ce pas, monsieur Albert? Mais oui, certainement. Mais ne vous laissez pas tomber. Mais je me laisse pas tomber. Je m'assis.
mais il vous reste un quart d'heure. Je sais pas, moi, causer les membres, payer des verres. Oui, payer des verres, ça oui, mais causer les membres, ça... Moi, je vais tâcher de voir la femme du secrétaire avec qui je fais quelquefois mon marché. Oui. Je vais. Rien que pour faire enrager, meulemeister. Si Albert, vous croyez que père a encore de la chance? Probable. Vous travaillez toujours pour lui, n'est-ce pas? Ça est sûr, ça. Non, monsieur Albert, avec moi, c'est pas besoin de parler comme ça. Parlez seulement en votre langue. J'aime mieux. Moi aussi, car je l'avoue, j'éprouve encore de grosses difficultés. Oui, mais vous avez fait des progrès. Vous les aviez exigés? Oh oui, c'est gentil. Dites, tout à l'heure, quand vous êtes sorti, vous savez pas ce que père a dit? Non. Eh bien, il a dit de vous. Il est tout de même gentil, ce garçon. Oui. Oui. Vrai. Oui. Alors, je suis déjà dans le tiroir d'en haut. Oui, vous avez monté. Quelle chance. Ça vous fait plaisir. Vous le savez bien, faire la conquête de vos parents était mon plus cher désir. Oui. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous teniez tant à ça. Eh bien, tout d'abord, parce que vous en avez exprimé le vœu. Ensuite, parce que M. Beulemans est mon patron et que j'ambitionne ses sympathies. C'est assez naturel. Et c'est pour ça tout seul? Oui. Non, non. Vous avez raison, il y a autre chose. Il y a surtout autre chose. Qu'est-ce que c'est? Une chose que je n'ose pas et que je ne veux pas dire encore. Ah oui, c'est pas le moment. Je ne sais pas. Peut-être. Eh bien oui, je vais la dire. Oh non, monsieur Albert, ne le dites si, pas. Si, si, j'en ai le courage à présent. Non, monsieur Albert, je ne veux pas que vous le disiez. Mais pourquoi, voyons? Parce que... je veux le dire moi-même. Monsieur Albert, vous m'aimez? Oui. Ah oui, mais c'est pas tout de le dire, il faut le penser, hein? Si je le pense. Mais oui, je vous aime. Je vous aime depuis que je suis arrivé chez vous, malgré vos parents qui me rabrouaient, malgré votre fiancé qui m'interdisait tout espoir. Mais comment avez-vous su? Comment avez-vous pu deviner? C'était pas difficile. Vous étiez toujours tellement gentil avec moi. Vous travailliez double pour m'éviter de la besogne. Quand vous vouliez partir, vous êtes resté rien que parce que je vous l'ai demandé. Vous avez appris à parler comme nous. À cause de tout ça, j'ai compris. À cause de tout cela? Oui. Et aussi à cause d'une autre raison. Laquelle? Je ne peux pas le dire. Si, dites. Eh bien oui, je vais le dire. Ah non, ne le dites pas. Pourquoi? Parce que je vais le dire moi-même. Oh, monsieur. Mademoiselle Suzanne, vous m'aimez? Oui. C'est pas tout de le dire, il faut le penser. Mais je le pense, monsieur Albert. Ah, oh, vous m'aimez? Oui. Mais pas depuis si longtemps que vous, hein? Moi, c'est seulement depuis ma rupture avec M. Séraphin. Oui, avant, j'aurais bien voulu, mais je pouvais pas. Ah, Suzanne, vous me rendez bien heureux. Il me tarde d'embrasser mon père et de lui faire part de mon bonheur. Eh bien, M. Albert, vous pensez tellement à votre père que vous oubliez le mien et sa candidature. C'est juste, pardon, ce n'est pas le moment de négliger M. Beulemans. Non, là, je crois même que s'il n'est pas nommé, il faudra attendre quelques jours avant de lui parler de nous. Mais il sera nommé, je vais me répandre dans les groupes, je vais me livrer une propagande désespérée. Au revoir, Suzanne. Au revoir, monsieur Albert. Bonne chance. Oui. Viens, Isabelle, travaillez ici aussi maintenant? Ben oui, mademoiselle Suzanne, je donne un coup de main les jours de séance. Elle va bientôt commencer la séance, Isabelle. Ça commence quand le président sonne avec sa sonnette. Alors les membres arrivent et la séance est ouverte. Ça va? Oui, ça va, mais... ça wacole un peu. Tout à l'heure, Isabelle. Ouais, tout à l'heure. Est-ce que je suis bien mis? Mettez votre chapeau convenablement. Vous avez l'air d'un comique de café-concert. Et attention, de la dignité. De la dignité. Hey. C'est sur nous que vous en avez, mademoiselle? Oui, monsieur Meulemeester. Si ça vous dérange pas trop, je voudrais bien vous dire un mot ou deux. Je vous écoute, mademoiselle. Est-ce que la séance va bientôt commencer? Je ne sais pas, mademoiselle. La sonnette fera signe. Ah oui, la fameuse sonnette. Dites, c'est vrai que vous êtes candidat? Oui, mademoiselle. On n'avait pourtant jamais parlé de vous. On n'avait jamais parlé de Napoléon avant la Révolution, et il est quand même devenu empereur. Mais vous saviez pourtant que c'était père qui était sur les rangs. C'est même pour ça que je me suis mis aussi.
Pourquoi vous êtes fâché avec lui? Ah, moi fâché? Je suis bien trop méprisant pour ça. Bon, enfin, père ne vous a rien fait. On a fait un affront à ma famille, je veux le laver. Mais il n'y avait pas d'affront puisqu'on était d'accord, Séraphin et moi, pour rompre. Oh, je ne regrette pas qu'on a cassé. Je n'avais pas assez fait attention de quelle famille j'allais devenir. Comment? Oui, Séraphin m'a expliqué. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis trop chevalier français pour insister. Laissez Maillasse tranquille, imbécile. Est-ce qu'il vous aurait raconté des méchancetés sur moi? Il ne m'a rien caché. Je sais que dans le temps, vous avez eu des ennuis, mais alors il fallait pas vous laisser fiancer. Comment? Il vous raconte des choses comme ça? Monsieur Meulemeester, veuillez me laisser un moment avec Monsieur Séraphin. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Laissez-moi le causer une minute. Ça n'est pas possible. Je dois le causer. C'est déjà bon. Je respecte trop les gens de mon rang pour faire des ruses. Je pars pour 5 minutes. Attention, hein, galopin. Alors, vous avez raconté des choses honteuses sur moi? Mais non. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit qu'on avait décidé ensemble de rompre parce qu'on n'avait pas le même caractère. Et puis? Il m'a pas voulu croire. Il disait que ça faisait rien. Que quand on avait tous les deux le même caractère, on finit par s'embêter. Il était très fâché. Il criait que j'étais un imbécile. Et alors? Bah alors j'ai dit que... Que vous avez eu un amoureux avant moi. Quoi? Et que vous êtes parti 2 jours avec lui. Mais c'est tout? Non, pardon, Suzanne, que j'ai dit ça comme ça le soir même, dans un moment où j'étais comme fou. Mais enfin, mais le lendemain? Mais le lendemain, j'ai pas osé dire que j'avais menti, j'ai pas osé dire la vérité. J'ai eu peur d'être flanqué à la porte, envoyé à l'étranger. Mais qu'est-ce que ça pouvait vous faire? Mais je n'osais pas. Car le soir, comme je vous l'avais promis, j'avais été chez elle. Chez qui? Chez Anna. Ah oui? Oui. Elle m'attendait si gentiment, sans se douter de rien. Elle travaillait si courageusement à sa couture, sous sa petite lampe. Elle avait mis un petit nœud bleu dans les cheveux du gamin. Et je me suis rappelé ce que vous m'aviez dit dans l'après-midi. Et le gamin est venu grimper sur mes genoux en faisant « Plecnard de mettre lire, lire ». Oh, je n'avais jamais vu ça aussi beau que ce soir-là. Alors j'ai embrassé le gamin, j'ai embrassé Anna, et je me suis dit que ma vie serait pour ces deux créatures que j'aimais. Ce que vous avez fait là est très bien. Mais moi, et le bruit que vous avez fait courir? Mais mon père m'aura envoyé en Allemagne chez un correspondant pendant 2 ou 3 ans, et j'aurais été séparé d'Anna et de mon moutard. Et puis je croyais pas qu'on aurait encore parlé de notre affaire. Il est si gentil, ce petit. Il s'appelle Séraphin. Il est blond. Il a des crôles. Séraphin, est-ce que je pourrais une fois aller le voir? Mais quand vous voudrez. Séraphin, si votre père vous laissait marier Anna, vous le feriez? Oh, ça, je vous crois. Mais il faudra pas. Il voudra. Je vais lui parler. Suzanne, que... Me laissez-moi faire, Séraphin. J'ai déjà si souvent tiré mon plan. Oh, ça est inutile de lui parler. Je vous dis que ça réussira. J'ai rompu votre premier mariage. Je peux bien arranger le deuxième, n'est-ce pas? Si ça est vrai, je ferai n'importe quoi pour vous. Ah oui? Eh bien, justement, vous devez faire quelque chose pour moi. Oh. Votre père et mon père sont tous les deux candidats à la présidence d'honneur. Eh bien, je veux qu'on nomme mon père. Oui, mais j'ai présenté le mien, je peux quand même pas défendre Monsieur Beulemans. Je ne vous demande pas ça. Je vous demande seulement de ne pas trop pousser Monsieur Meulemeester et de ne pas décauser Monsieur Beulemans. Je le ferai, César Leclerc. Ça, c'est gentil. Je suis de retour. Venez, fils. Monsieur Meulemeester, maintenant, c'est vous que je dois causer. Monsieur Séraphin va se retirer. Mais avant, il va vous dire que tout ce qu'il a raconté sur moi n'était pas vrai. Que je n'ai jamais eu d'amoureux et que je ne suis jamais partie avec personne. Eh bien, quelle nouvelle? C'est la vérité. Oup! J'avais inventé. Oup! Maintenant, vous pouvez vous en aller.
Mettez-vous, monsieur Meulemeester. Je vous demande pardon, mais la séance va commencer. Oh non, c'est la sonnette qui doit donner le signal. Elle est toujours là. Oh, vous savez ça aussi. Oui. Je parie que vous croyez que je vais vous demander de vous retirer pour mon père. Vous ne le feriez pas. Mais. Vous savez, moi, ça m'est égal. À la présidence d'honneur, ça me laisse froide. Alors, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Eh bien, je vais vous dire la vraie raison de notre rupture, Séraphin et moi. C'est moi qui n'ai pas voulu. Oh! C'est moi qui n'ai pas voulu parce que Séraphin avait une bonne amie depuis longtemps. Séraphin, une bonne amie? Vous rêvez. Il me l'a avoué lui-même. C'est de la blague, une bonne amie. Une preuve, c'est qu'elle s'appelle Anna. Anna? Oui, Anna. Une ouvrière lingère. Eh bien, à la fin, qu'est-ce que ça faisait? Tous les jeunes gens ont une couple ou deux de bonne amie. Quand on se marie, on lâche sa bonne amie. Oui. Pas quand on a un enfant avec elle. Hein? Oui. Séraphin a un enfant d'Anna. Mon fils a un fils? Vous avez le bonheur d'être bon, papa. Ce n'est pas vrai. Si, une preuve, c'est qu'il s'appelle Séraphin, comme son père. Si c'est vrai, je vais flanquer Séraphin à la porte. C'est vrai, monsieur Meulemeester, mais vous ne flanquerez pas Séraphin à la porte. Non, je vais me gêner. Tout le monde dira que vous êtes un méchant et que vous empêchez votre fils de marier la femme qu'il aime. Ça, je m'en fiche. Je sais ce que j'ai à faire. Lui aussi saura ce qu'il a à faire. Il n'oserait pas faire le contraire de ma volonté. De lui-même, non. Mais je lui donnerai des conseils. Quel conseil? De se passer de votre permission. Il ne vous écoutera pas. Il m'écoutera. Parce que je lui raconterai des exemples. Je lui dirai que je connais un monsieur qui a été très heureux dans son ménage, qui est maintenant un grand commerçant et qui a dû épouser sa bonne amie avec un enfant de lui. Même que quand cet enfant est venu au monde, mon père a dû prêter 2 francs à ce monsieur. Qui était son ami en ce temps-là. C'est ballement ce qu'il vous a raconté, ça. Je me demande tout de même ce que ce monsieur répondra à son fils si son fils voulait faire la même chose que lui. Vous avez dit cette histoire à Séraphin? Mais non. Je sais bien que vous n'aimeriez pas ça. Allez, monsieur Meulemeester. Qu'est-ce que vous auriez dit il y a 20 ans si on vous avait défendu de marier la femme que vous aimiez tant? Et qui vous avait donné un si joli petit bébé. Le petit Séraphin aussi est joli, vous savez. C'est vous tout craché. C'est moi tout craché. Est-ce que vous auriez été sûr avec une autre que ça aurait été vous tout craché? Allez, monsieur Meulemeester, dites-oui. Vous serez si content du bonheur de votre fils, de la reconnaissance de sa femme. Et de la tendresse du petit Séraphin. Et alors tout le monde dira, c'est tout de même chic ce qu'ils ont fait les Meulemeester. Mais vous ne direz jamais à Séraphin que... Mais non. Mais c'est certain, hein. Tiens, j'ai mieux gardé le moyen de vous faire encore chanter. Oui. Pas si c'était nécessaire. Et vos parents? Avec qui je suis brouillé, ils ne diront rien non plus. Vous vous remettrez. Oh, ça, je n'y tiens pas. Eux non plus. Alors, c'est oui. Oui. Alors, venez vite avec moi chez lui. Ah, monsieur Meulemeester, votre fils vous a dit que vous étiez le candidat du comité? Ça va marcher, vous savez. Je l'espère, ça va commencer. Ça est le moment, mais je commence pas avant une demi-heure. Tous nos hommes sûrs ne sont pas encore là. Ah, bonjour, monsieur le président. Bien, bonjour, madame Beulemans. Ça va bien, et monsieur, votre mari va bien aussi? Oui, oui, très bien, merci. Je suis revenu parce que j'avais oublié la sonnette de la présidence. Ah, vous allez présider la séance? Oui, 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 oui. La fameuse séance qui va s'ouvrir tout de suite. Dans quelques minutes, nous attendons encore des membres. Oui, oui, j'ai entendu. Des hommes sûrs, hein. Allez, au revoir, hein, monsieur. Hey, là, hey, là. Ça est malin, ça, maintenant. Et tous nos électeurs qui sont pas encore là. Oui, je suis nerveux, hein. Je suis fiévreux. Père, mère, en se mettant dans le corridor, on entend tout ce qui se dit dans la salle. Oui, oui, ils lisent le procès verbal de la dernière séance. Oui. Moi, je fais comme ça, hein. Oui, et moi, comme ça, hein. Ils vont écouter dans le corridor. Ça est mesquin.
J'y vais aussi. Allô? Oui, c'est la maison des brasseurs. Oui, oui. Oh, une minute, hein. Isabelle, dites-ce que M. Bulting s'est arrivé avec ses deux fils? Non, non, moi, c'est Suzanne, pas encore. Oh, ce sont trois électeurs sûrs pour papa. Dites Isabelle, descendez et dites aux chasseurs de sauter dans une voiture, d'aller les chercher de la part de M. Bulleman. C'est très urgent, hein? Oui, mais j'ai le plateau, mais... Eh bien, déposez-le là. Monsieur, voulez bien prendre le plateau de cette fille, s'il vous plaît? Pardon? J'écoute, oui, oui. Allez, Isabelle, dépêchez-vous. Mais oui, mademoiselle Suzanne, je cours. Allô? Oui, monsieur? Mais oui, ça fait une heure que je vous dis que vous êtes à la maison des brasseurs. L'heure du scrutin? Ah, vous êtes un ami de monsieur Meulemeester. Oui, 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 oui. Non, vous n'avez pas besoin de vous déranger, monsieur. Il sera certainement nommé, vous savez. Oui, il est le candidat du comité, n'est-ce pas, alors? Oh, on ne votera pas avant une heure et demie? Oui. De la part de M. Holbach. Oui, je ferai bien des compliments. C'est ça. Au revoir, monsieur. Autant de sa part, hein. Au revoir. Eh bien, vous êtes tout de même bien comme ça. Ah, vous trouvez? Vous n'avez jamais servi de la bière, monsieur? Moi? Jamais. Non. Essayez un peu de marcher avec ça dans les mains. Marcher? Mais j'éprouve déjà toutes les difficultés du monde de me tenir en équilibre. Non, essayez, ça ira très bien. Je vous en prie, mademoiselle, la plaisanterie a assez duré. Débarrassez-moi de ça. Moi, mais c'est pas moi, c'est à la servante. Oui, mais c'est vous qui lui avez inspiré l'infernale idée de me le fourrer dans les mains. Bon, enfin, cette pauvre fille ne savait qu'en faire. Ah, oui, oui, sans compter que vous m'avez enlevé la servante au moment précis où je l'avais chargée d'une commission. Une commission? Ah, si vous voulez, monsieur, je peux la faire. Non, non, merci. J'espère que cette bonne va revenir bientôt. Oh non, je ne crois pas. Hein? Elle est très occupée par la séance. Hein? Oh, vous venez peut-être aussi pour la séance. La séance? Oui. Pas du tout, non. Ah. Non, je viens pour voir mon fils, monsieur Albert Delpierre. Votre fils? Oui. Monsieur Delpierre? Vous êtes le père de Monsieur Albert? Ouf, ah ben, je commençais à avoir la crampe. Vous êtes le père de Monsieur Albert? Oui, vous le connaissez? Je suis Mademoiselle Bulleman. Mademoiselle Bulmans? Oui. Non! Oui. Ah, mais vous permettez? Oh, non, ah, non, 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 écoutez, je n'en ferai rien. Non, 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 non. Non, monsieur, ça je veux. Non, non. Alors, ensemble. Allez, oui. Voilà. Oh. Nous avons fait connaissance d'une drôle de façon, n'est-ce pas, monsieur Delpierre? Je vous demande bien pardon, vous savez. Oh, mais c'est moi qui vous demande pardon. Et somme toute, il était très amusant, le coup du plateau, hein? Non, il était de mauvais goût. Mais vous étiez si comique. Faut plus jamais porter un plateau avec des verres, vous savez. Oh, je n'y ai guère mis de bonne volonté, mademoiselle, vous en conviendrez, hein? Oh, si, 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 je me suis montré bougon, là. Oui, c'est que j'étais contrarié de n'avoir pas trouvé mon fils à la gare et de n'avoir reçu de lui qu'un mot laconique m'annonçant qu'il était appelé dans cet établissement. Oui, mais c'était important. Vous comprenez, il ne pouvait pas faire autrement que de venir à la séance. Parce que père est candidat président d'honneur à la Société des Brasseries, alors tout le monde devait être là pour voter. Ah, il me semble pourtant qu'il n'aurait pas dû hésiter entre cette séance et l'arrivée de son père. Vous auriez fait comme lui? Pourquoi? Parce que je vous l'aurais demandé. Ah, c'est vous qui le lui avez demandé? Oui. Et moi, quand je demande quelque chose, on sait pas me refuser. Vraiment? C'est comme ça. Ah, si, tenez, maintenant, je vais vous demander quelque chose et vous refuserez pas. Eh ben, voyons ça. Eh bien, je vous demande de pas gronder M. Albert, car il n'est pas allé à la gare. Ouais, écoutez, ça... Non, il ne faut pas le gronder. Oh, vous pouvez être sûr, il vous aime beaucoup. Il aurait aimé aller vous chercher pour vous embrasser tout de suite. Seulement, je lui fais remarquer que vous seriez le premier à le féliciter d'avoir pensé à plaire à son patron. Alors, ne le grondez pas. Ou si vous voulez absolument gronder quelqu'un, grondez-moi. Eh bien, je vous gronde. Oui, mais lui, vous direz rien, hein? Soit. Alors, grondez-moi plus fort. Je vous gronde, je vous gronde. Et pas à moi, monsieur Albert, hein? Oui, elle est charmante, cette petite, hein? Eh bien, je ne lui dirai rien, je vous le promets. Vous voyez bien, hein, qu'on ne sait rien à me refuser. Décidément charmante. Monsieur Delpierre? Oui? J'ai encore quelque chose à vous demander. Ah! Quelque chose que je ne pourrai pas vous refuser? Oui. Quand il vous aura bien embrassé, il vous parlera d'une affaire sérieuse. Ah, et vous savez ce dont il s'agit? Oui, nous sommes de bons amis. Voilà, il va vous demander une permission.
Si vous voulez pas la lui donner, il sera très triste. Et pourquoi? Parce que c'est une chose à laquelle il tient beaucoup. Je crois. Ah! Eh bien, parlez. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Oui, alors là, il me sera difficile de vous fixer sur mon impression. Oui, ça c'est vrai. Alors je vais vous dire ce que c'est. Voilà, c'est quelque chose de très sérieux, mais il ne faut pas dire oui si vous ne le pensez pas. Si je vous en parle, c'est simplement parce que je voudrais éviter un gros chagrin, Monsieur Albert. Oh, un gros chagrin? Oui, comprenez-moi. Si vous refusez de lui accorder ce qu'il vous demande, il sera très triste. Or, il est possible que vous ne vouliez pas. Eh bien, alors, il vaut mieux partir tout de suite, en disant par exemple que vous avez reçu un télégramme qui vous rappelle à Paris d'urgence. Parce que comme ça, il ne connaîtra pas tout de suite votre refus. Il conservera de l'espoir pendant quelques jours. Moi, j'aurai le temps de le préparer à votre réponse. Ça lui fera moins de peine que si vous le contrariez brusquement. Mais enfin, dites-moi de quoi il s'agit. Oui, mais vous me promettez si vous voulez pas vous en aller. Ça, ah, il faut me promettre. Ou sinon, je vous dis rien et je défends M. Albert de vous en parler. Promettez. Je promets. Voyez bien, hein, qu'on sait rien à me refuser. Elle est délicieuse. Bien voilà. Monsieur Albert. Dites. Monsieur Albert m'aime. Et il voudrait vous demander de demander ma main à père et mère. Ah! Vous refusez! Alors partez tout de suite! Mais je n'ai pas dit que je refusais! Mais quoi? Ah ben, il faut me comprendre, mademoiselle! Ah, excusez-moi si je vous tiens ce langage, mais enfin quoi? Je vous vois depuis un instant, hein? Mon devoir de père est d'examiner. Ah, vous êtes charmante, bien sûr. Mais je vous connais à peine. Vous n'avez pas besoin de me connaître! C'est pas vous qui devez me marier! Monsieur Albert me connaît, c'est tout ce qu'il faut! Ah, je suis certain que vous êtes digne de lui. Ah, seulement quoi, il est bien jeune. Tiens, bah moi aussi je suis bien jeune. Mais justement, comprenez-moi. Ici chez nous, on dit tout droit dehors ce qu'on pense, vous n'avez pas besoin de vous gêner. Vous voulez pas? C'est dommage, mais alors partez. Mais permettez que je m'explique, voyons. Monsieur Delpierre, allez-vous-en. Écoutez, quand il sera là, je lui dirai que... Vous ne direz rien du tout, c'est pas bien, vous m'aviez promis. Oh, si j'avais su, je vous aurais rien dit. Mais partez, monsieur Delpierre. Mais écoutez, Non, je lui raconterai une histoire de télégramme, mais partez, je vous en supplie, partez. Ah, mais vous me fichez à la porte? Oui. Ah? Eh bien, je ne m'en irai pas sans avoir vu mon fils. Vous allez lui faire un gros chagrin, monsieur Delpierre. Je verrai mon fils et je lui dirai que s'il croit vous aimer, s'il est certain d'avoir trouvé son bonheur, eh bien, je n'ai pas à m'opposer à ses projets. Ouf! Oh, vous êtes un brave homme. Et vous, une brave jeune fille, mademoiselle Suzanne. Vous connaissiez mon nom? Eh, Albert trouvait dans chacune de ses lettres le moyen de le glisser. Il me faisait de la réclame. Eh bien, ça, c'est gentil. Alors, c'est dit? C'est dit. Vous voyez bien qu'on sait rien à me refuser. Bonjour, la séance. Ah. Messieurs, nous allons procéder à la nomination d'un nouveau président d'honneur. Deux candidats sont en présence. Le premier et le second. Le premier est M. Meulemeester. Le deuxième est M. Beulemans. Bravo! La candidature de M. Meulemeester est présentée par le comité. Quelqu'un demande la parole? Moi! C'est Séraphin. Ah, je connais pas. C'est mon fils. Moi, je le connais. Messieurs, le comité vous présente la candidature de M. Meulemeester, mon père. Je la recommande à vos suffrages. J'ai dit. Quelqu'un demande encore la parole? Moi. C'est M. Albert. M. Albert Delpierre de Paris a la parole. Choukener. Ça va être joli. Messieurs, monsieur le président a dit en me donnant la parole. La parole, là. Monsieur Delpierre de Paris. Eh bien, oui, de Paris je suis venu, mais à Bruxelles je reste. Il restera pas longtemps. Maintenant, je sens que je suis un enfant de la capitale. De la capitale, là.
Eh bien, messieurs, je veux. Enfin, je voudrais. Je... Je brebaloué. Excusez si je tombe trop court de mes mots, mais c'est parce que je veux dire mon cœur droit dehors et que l'émotion, on ne sait pas la pompe. Je vais vous dire ce que je pense du brave et honnête monsieur Beulemans. Comme il parle bien. C'est mon fils. Oui. Ce n'est pas besoin de vous rappeler sa carrière. Non. Qu'est-ce qu'il était quand il a commencé? Il était dans le tiroir d'en dessous. Est-ce qu'il a besoin de dire ça maintenant? Maintenant, il est d'une bonne bourgeoisie. Il vit heureux avec sa dame et sa demoiselle. Ah mais, c'est mon fils. Oui, il est bien. Enfant du peuple, il s'est élevé par la force de sa volonté et de son travail jusqu'au plus haut échelon de la brasserie. Et de là, il peut contempler, dédaigneux et fier, sans faux orgueil, les vains efforts de la concurrence étrangère, en tenant haut et ferme l'étendard de la bière nationale. Tosse, pas de mouchoir. Mais je n'en ai qu'un, il est déjà mouillé. Si vous le nommez, messieurs, vous ne vous en regretterez pas. Avec lui, pas de vaines paroles, pas d'eau bénite de cour. Klappen sein, gen Orden. C'est mon fils. Il était bien, Berke. Magnifique. Oh, père, mère, monsieur Delpierre est ici. Albert, son père. Oh, monsieur Delpierre. Quel discours! Quel talent! Quel ostracisme! Monsieur Delpierre, remerciez Dieu! Remerciez Dieu et Madame Delpierre d'avoir un soir donné le jour à un pareil enfant! Oh, ça, je n'oublierai jamais, vous savez, jamais. Enfant du peuple, il a grimpé par la volonté de sa force sur la plus haute échelle de la brasserie nationale. Oh, c'est magnifique. Monsieur, le scrutin a désigné monsieur Beulemans comme président d'honneur par 75 oui, de la majorité. Oui, monsieur, je pense à... Oui, ça, je n'aurais jamais pu. Président. Monsieur Beulemans, oui. Venez vite, vous êtes nommé. L'Assemblée vous attend pour faire une invasion. Une invasion, je vais. Je vais avec. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de rester tranquille, là? Mais restez tranquille, là, en bas, voyons. Content, n'est-ce pas? Papa! Oh. Dans mes bras, Mirabeau de la Brasserie Nationale! Ils sont si fiers de toi que je ne t'en veux même plus. Messieurs! Bravo! Bonjour, messieurs! Messieurs! Bonjour! De tout mon cœur! Je vous remercie. Bravo! Et j'ose le dire que mon ami Albert avait raison quand il promettait que je serais grimpé sur la plus haute échelle avec le drapeau, dans la bière nationale. Enfin, comme il a dit. Je crois que voilà un drapeau dont on parlera longtemps. Papa, si tu savais comme cette phrase stupide me fait du bien. Oui, je m'en doute. Comment tu t'en doutes? Si Albert, je lui ai tout dit. Et tu consens? Ne fût-ce que pour ta gloire oratoire.
mais surtout parce qu'elle est charmante. Oh, merci, papa. Merci, monsieur. Appelez-moi papa. Merci, papa. Ah, monsieur Albert, venez dans mes bras. Vous avez causé comme un avocat. Et tenez, je vous donnerai de l'augmentation. Et pour commencer, embrassez déjà ma femme. Ah, monsieur Delpierre, vous avez entendu, hein? Il a été à bonne école, hein? La mienne, il ira loin, vous savez ça? Je vous le promets, hein? Et tenez, à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'est plus seulement mon collaborateur, il est mon associé. Je le considère comme mon propre enfant. Ah, peut-être pas autant qu'il le souhaiterait. Comment? Son éloquence, monsieur Belmont, c'est un miracle de l'amour. Qu'est-ce que vous dites? Eh oui, il aime mademoiselle votre fille. Et pour lui, je vous demande sa main. Il aime la main de mademoiselle ma fille. Albert, dans mes bras et embrassez votre fiancée. Belmont, rendez-moi mon mouchoir. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais ce garçon. Hein. Ça va être une sérénade pour moi. Venez. Pardon, monsieur.